vas-y, je suis là. Voilà, donc 53ème partie. Barre, faites votre devoir, quoi. Alors, donc, la semaine dernière, on était beau, on était bien, on était intelligent. C'est trop classe. Ah, mais en fait, je t'avais dit de parler de vous, hein. Pas de quelqu'un d'autre, hein. C'est MJ, t'as trop duc. Je vous le dis tout de suite, planquez-vous. ouais, donc la semaine dernière, on a fait, on a géré deux trucs. Enfin, il y a eu deux parties. Il y a eu la partie à Fort Akodo, où les choses se passent toujours de mieux en mieux, évidemment. Because à Fort Akodo, on sait s'amuser. C'est le club med des Fort Akodo. C'est ça. Et il y a eu la partie du bateau, parce que on en a toujours pas fini avec la croisière s'amuse. Donc, côté Fort Akodo, on a commencé par ça d'ailleurs, de mémoire. On a lutté contre. Enfin, on a lutté. On a passablement diverti. Ce serait plus juste. On a chopé. Ah non, c'était la partie d'avant, je sais plus. Un Shugenja de la. Du Phoenix. Partie d'avant, ça. Oui. C'est quoi Fort Akodo? Un Shugenja. Oui, mais ça, c'était la partie d'avant. Après, on l'a fait parler. On a discuté avec lui, on a très peu d'informations, parce qu'il voulait pas trop balancer... La semaine dernière, au Fort Akodo, vous avez traité un courrier. Ah oui, qui parlait du pour Shinjo. Oui, pardon. Tout à fait. Oui, j'ai eu une lettre d'elle. Venant de mon bonhomme. Te disant oui c'est vrai on a en fait oui Shinjo a reçu un courrier l'avertissant on fout encore dans la merde mais il nous faut une réponse non c'est pas c'est pire que ça c'est l'avertissant que les licornes en vue de d'un assaut prochain non pas douter sur le Fort Akodo a besoin de cavalerie ça a été ils ont décidé de demander ça aux licornes évidemment. Le mari de Shinjo souhaitait savoir si Shinjo acceptait que il réponde à l'appel d'offres en demandant si Shinjo souhaitait que au passage il pourrisse un peu l'appel d'offres. Donc soit en acceptant l'appel d'offres mais en livrant en retard, soit en livrant des animaux pourris, soit voilà. Shinjo a donc décidé, dans sa grande mansuétude, que l'idéal était de taper dans la thune des grues, de se faire du fric sur la mort d'Akodo, et donc qu'il fallait vendre des chevaux parfaitement naturellement, parfaitement bien comme il faut, et à temps. Oui, parce que la guerre, ça coûte cher, hein, faut préciser. On sait tous que t'es une rapia, et que tu veux un max de thunes. En fait, le grand plan, c'est que ça nous permet ça permet aux habitants du Fort Akodo de camoufler aux grues le fait qu'ils sont au courant. Et donc de faire croire que Shinjo est une personne digne de confiance, accessoirement. Même si ses camarades commencent à se rendre compte que non. Moi j'ai une petite question d'ailleurs à ce propos. Shinjo, est-ce qu'au final tu avais trouvé un nom pour ton domaine, village Sache ce que tu veux. Ah oui, moi je t'avais donné depuis longtemps cela, je crois. Bah il me semble aussi, mais je ne l'ai pas noté, village, je crois. Je crois que c'était le... la retraite de Shinjo. Ouais, il me semblait que c'était ça. Il me semble de tête, je crois. Et le Hara, par contre, je me rappelle du nom, je crois que c'est le Hara du bout du monde, ou je sais plus, je suis un ouais, truc genre. Le Hara sans retour. Ouais, le Hara sans retour des Yoriki. Les Yoriki se battent pour y arriver à temps. Le dernier voyage des Yoriki. Et ils trouvent ça trop bien, ils ont tendance à pas trop repartir. Et du coup, t'as regardé comment ça se disait en japonais Parce que bon, Shinjo, mes retraites, par exemple... Ça non, par contre, ça je veux dire. À la limite, ça serait peut-être plus poétique que retraite de Shinjo. Genre Shinjo, ouais, no machin truc. Je regarde cette semaine et je te dirai quoi. Le cimetière de Shinjo. Non, je sais, la veillée de mariage de Shinjo. Le repos du marié. Ouais. Comme ça donne l'impression que c'est poétique alors qu'en fait, c'est juste dire qu'il meurt. La demeure du guerrier. Ah ouais. Le dernier repos. Donc tout ça pour voilà. Donc on a pas mal discuté de quoi faire de tout ça, blabla. Sinon, du côté des ronds dans l'eau pour choper les pirates,
On a eu, enfin c'était journée repos globalement. Les réparations se faisaient. Des pirates ont demandé l'autorisation, enfin des pirates, des mantes ont demandé l'autorisation d'aller à Calani se reposer et faire de la pub. Évidemment, sur leur temps libre et de façon parfaitement bénévole, et pas du tout parce que ça fait des semaines qu'ils sont en mer et qu'ils n'ont pas vu une nana et qu'ils ont envie de tirer leur crampe. Donc j'ai envoyé Tsurushi en compagnie de. Enfin, en fait, la semaine dernière, j'avais choisi d'envoyer Tsurushi, mais je me dis que j'aurais peut-être dû envoyer plutôt Ping ou Pong, enfin Ping, histoire que Shincho joue un peu plus. Mais bon, bref. Voilà, Tsurushi et accessoirement. Au bout de quelques heures, Tsurushi est arrivé avec un lot de recrues. Et entre-temps, un marchand mante est venu, qui était au courant de la réalité du bateau, donc qui était piloté par un scorpion et qui était en mission pour faire chier les grues et slash faire chier les pirates pour les arrêter. Il a donc accès, il a proposé de racheter toute la cargaison qui nous restait de l'attaque du bateau, et il nous a donné de précieuses informations sur comment ça se passait avec les grues et où étaient plutôt les pirates, et si notre action d'éclave a eu un retentissement permettant à Zenji, c'est-à-dire le nom d'emprunt de mon personnage, de se faire reconnaître et potentiellement de faire chier les pirates assez pour qu'ils aient envie de venir nous friter. Et il nous a appris qu'en effet, notre intervention avait eu un certain retentissement et qu'on avait sûrement dû attaquer une cible qui devait intéresser les pirates. Donc ce qui fait qu'on avait forcément plus ou moins l'intention, enfin leur attention. Accessoirement, il m'a appris que le propriétaire du bateau était en route pour venir à Osiris, a priori demander des comptes. Donc c'est un samouraï grue assez riche. Et donc Bayushi Takeyoshi s'est dit que c'était l'opportunité rêvée pour potentiellement attaquer quelqu'un sous le nez des pirates au moment une cible importante. Voilà, je pense que accessoirement il y a un bordel qui s'est installé pour quelques heures, le temps de finir de réparer le bateau, parce que le marchand est un homme avisé qui s'est dit qu'il se ferait de la thune gratuitement. Enfin, pour pas beaucoup d'efforts. Oui. Je crois que j'ai pas oublié grand-chose. Non, ça va. Non, c'est bien. C'est bien. Alors, du coup, est-ce que vous voulez qu'on continue sur les pirates ou est-ce qu'on voulait qu'on fasse du fort à Kodo? Bah, je me dis que j'achèterais bien des compétences pour Bayushi. Suis un peu claqué, donc je suis pas hyper au taquet-taquet, donc je préférerais peut-être plus les Le trek. marins. Ouais, mais s'il faut faire un Kodo, je ferai Kodo aussi avec plaisir. Je passe navigation à deux, capitaine. Oui. Et je passe comédie à un, ça va. Vu que je passe mon temps à jouer aux pirates, je suis obligé de jouer à la comédie et du coup. Alors, tu navigation, tu montes à 2, ok, et comédie, tu loueras un. Ouais, d'accord. Ça me va. Le trait associé. D'accord. D'ailleurs, le trait associé à navigation, c'est pas intuition, hein, c'est intelligence, hein. Ouais, mais c'est la dernière fois que tu m'as fait faire un jet d'intuition pour les réparations ou pour je sais plus quoi. Du coup, j'ai tendance à mettre le truc. Quand tu me demandes de faire un G, j'ai tendance à mettre les trucs correspondants. Comme ça, je suis sûr de pas me tromper, tu vois. Alors, je suis à 5G4 en intuition et 5G3 en navigation. Non, c'est des dépenses, pas des gains. Oui, en effet. Est-ce que les autres, vous avez d'autres dépenses à faire? Non, je crois que j'avais fait la nuit. Est-ce que je peux augmenter l'art de la guerre? Avec toutes les conneries qu'on a faites là. Ah oui, bien sûr. Hein. Je montre bien l'art de la guerre au A2. Oui. Bah, avec ton niveau, est-ce que tu fais, vu que tu commandes et tout, tu peux même le monter à, je pense, facilement à 3-4. Hein. Mais je Genre, je te croyais qu'on était obligé l'autoriserai. de Hein. monter plusieurs tours à... Non, mais je te l'autoriserai dans les prochaines. D'accord.
Kodo va pas le reconnaître. Bah, mais depuis quand t'as des compétences tactiques, toi? Bah, tant mieux, c'est bien, c'est logique aussi. Ouais. Ouais, ça va être bien pour les combats de masse, hein? On va pas y en avoir du tout, hein, mais on sait jamais. Ça pourrait arriver. Bah oui, ça pourrait, hein. Je sais pas. Sur un malentendu. Bah oui. Ça nécessite que le fort tienne jusque-là. Du coup, donc on va peut-être plus se concentrer sur le pirate, du coup. Sur la partie pirate. Donc du coup, je vais charger les fiches de perso. Tac, tac. Ah, c'est lesquelles, déjà? Faut que je m'en souvienne. Je crois que c'est les deux. Alors, je suis à Kodo. Tac. Les fiches sont en cours d'envoi. J'ai un. Il faut que je rajoute un avantage à Yoritomo Emoto. L'Ozaï. Non, l'Ozaï il est mort. Enfin, si tu veux, je peux lui rajouter mort-vivant. Mort est vraiment pas content. Alors, du coup, je me rappelle plus comment s'appelle l'avantage, mais en gros, ça te donne 3G1 si tu dépenses un point de vide sur la compétence athlétisme. C'est noté. Machin, c'est Pong. C'est Shinjo. C'est le perso de Shinjo. Moi, avec vos ping et vos pong, je suis un peu perdu, donc je sais plus qui est qui. Donc, hein, moi, c'est Pong. Balle au sang. Voilà. Ouais, si ça trompe, ah, c'est c'est moi la base. C'est Capitaine Rex. C'est, bah, c'est un gros relou, hein. C'est un gros relou qui a eu l'idée. Moi j'étais parti sur Pong, hein. Le Bing c'est pas moi. Non, le Bing c'est moi, parce que j'ai vu Pong, j'ai trouvé ça génial, du coup j'ai fait Pong. Ouais, alors du coup, ah oui. Alors première chose en fait, c'est que tes semaines de trajet, etc., entre les patrouilles grues, qui maintenant commencent à patrouiller également entre les Aéri et Kalani, font que c'est un peu galère. Ça doit les avoir un peu désorganisés, du coup, ces conneries. Deux. Bah, de les obliger à surveiller maintenant en plus entre Kalani et les Aéri. Et les Aéri. Et bref, l'autre patelin. Certes, peut-être. Dans tous les cas, vous êtes quand même pas mal poussé à naviguer un peu au large. Et donc, les vivres commencent à un peu céder, puisque vous n'arrivez pas forcément à avoir beaucoup de prises. Etc, etc. Il y a une autre prise. Oui, mais l'eau potable, c'est compliqué. Mon intuition pour je peux invoquer un camion pour l'eau potable. Alors, je peux invoquer le sort de cohésion, la communion avec les camis pour créer un peu. Ouais, oui, tu peux créer un peu d'eau. Alors après, est-ce que ça suffit? Ah, je trouve que c'est pour les autres, mais pour moi. Ah oui, non, pour toi, oui. Pour toi, oui, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Crevard. T'as. Par contre, ouais, si tu veux, on remarque, si tu claques tous tes sorts de vide et tous tes sorts de d'eau par jour, tu dois pouvoir quand même fournir, je pense, une très grosse partie du navire, quoi. Donc, c'est pas impossible, effectivement. Donc, vous avez le Shugenja du bateau qui sert de fontaine pour l'équipage. Et je dis, tenez, ceci est mon sang. Et non, t'as une fontaine. Pardon. Après Ping, maintenant fontaine. Bah, pourquoi pas, on écrira une fable sur vous. Hein. Après, ça dépend où ça sort après. Hein. Mais bon, je pense que. C'est de la magie, tu fais. Tu ne boirais pas de ton eau. Ouais, ça apparaît dans les mains. Hein. Donc, mets-toi à genoux. On va rester sobre. Très bien. Donc, ce problème étant réglé. C'est pas du tout dégueulasse. Vous commencez à avancer. Et bah, vous allez me jeter un petit jet de perception.
Chacun, on va voir qui donne l'alerte. Faudra peut-être qu'on réfléchisse, mon petit Chouba, à comment tu organises ton navire au niveau des quarts, qui tu mets en observation, qui tu mets en commandement quand tu fais dodo, etc. etc. C'est pas bête. J'ai fait un 10. J'ai fait un 15. C'est avec G majuscule? Oui. Ok. Bon, c'est bien parce que vous avez tous le même G. Parce qu'on était tous dans la salle de capitaine. Ouais. Il a 4 en nous, le pépère Yoritomo, là. Ah ouais. Oui. Ah ouais, bah c'est pas mal, hein, putain. Pour un marin, c'est le minimum, non? Non, pas forcément, mais... Mais ouais, bah, non, mais ok. Donc... Ouais, du coup, ça va être Pong, on va dire, même s'il a fait un score moins bon, mais on va. Donc c'est Pong, tu as, tu es sur le, comment dire, sur le pont tranquillement et tu crois voir au loin une petite fumée à l'horizon. Une fumée ou une voile? Une fumée. J'aiguise mes yeux. Ça doit faire mal. Et j'essaie de regarder d'un peu plus. Alors tant que le bateau est à cette distance, tu verras pas plus que ça. Il y a un petit peu de brume. C'est le milieu de matinée. Bah, y a plus de nuages aussi bas dans la journée. Bah, certes. Je vais pas venir, mon thème. Captain Sama, y a un fait qui attire votre attention sur ce pont. Je m'en suis rendu compte ou... Ben, oui, après coup, effectivement, tu le vois. Alors toi, t'étais en train de te réveiller, tu vois, t'étais tranquille, voilà. Je pensais qu'il s'agissait d'un nuage, que pensez-vous qu'il... Ben en fait, tu regardes et tu identifies aussi une fumée qui vient du large, hein. Donc ça reste très faible, hein. C'est très 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 faible, hein. Donc Capitaine Sama, cette heure-ci, vu l'heure qu'il est dans la journée, enfin vu l'avancement dans la journée, dirais-je, il n'y a plus de nuages aussi bas sur l'eau. C'est soit un bateau qui brûle, soit de la sorcellerie. C'est ce que je craignais d'entendre. Allons voir ce qui se passe. Dans la cabine, en hurlant tout le monde au poste de combat. Alors, là, vous êtes... vous avez dépassé la position des aéries et vous êtes vraiment pas loin de quitter, on va dire, entre guillemets, les eaux territoriales des colonies. Hein. Vous êtes dans la zone où on vous a indiqué qu'il y avait de la piraterie active. Allons-y. Vous inviter. Ces pourritures m'auraient volé ma prise sous mon nez. C'est honteux qu'ils fassent ce que moi je fais. Alors, ça, honteux. Cap, le navire se dirige vers donc cette fumée qui se retrouve être en fait un navire qui est effectivement en feu, mais c'est très léger et ça se bat sur le bateau. Et en fait, il y a deux bateaux qui sont à côté. Pas à côté, accosté, ouais. Qui se tape dessus. Moi, j'ai une question sur le fonctionnement dans les colonies, qui est de savoir est-ce que les noms des bateaux sont écrits sur les bateaux. Je considère que oui. Du coup, est-ce qu'un des deux bateaux accosté à celui qui semble être la victime pourrait porter le nom d'un des bateaux que les Ronin nous ont donné. Tu vas voir que le navire en question s'appelle Lonetto Umi. Alors, je sais pas comment ça se prononce à la. Voilà. Ce qui veut dire le frelon des mers. Ok, donc non, c'est pas un bateau dont ils nous ont parlé. Green Freedom.
C'est Est-ce alors, qu'il va y avoir des galères? c'est deux gros bateaux qui sont en train de se taper dessus. Clairement, le bateau qui est l'Ometo Umi, qui est le bateau pirate, visiblement qui attaque, est en passe de gagner, mais ça va lui prendre du temps. Et la vigie annonce d'autres voiles aux alentours, loin. Mais et petite pour l'instant. Attaquons le bateau qui est en. On est à quelle distance? Vous êtes à quelle distance? Je sais pas. Quand on... enfin, si jamais on lançait un assaut là, les voiles auraient le temps de devenir dangereuses pour nous? Non. Enfin, je dirais que dangereuse. Pas tant que ça. Il y aurait moyen de filer à l'anglaise avant qu'elles arrivent. Fissa, ça sera juste, hein. Mais faut pas perdre trop de temps après la bataille, quoi. Non, elles seront peut-être trop faibles pour pouvoir vous opposer une résistance une vraie, quoi. Mais par contre, ça veut pas dire qu'un gros navire qui lui présentera une vraie résistance sera pas très loin, quoi. Ouais. Ben, du coup, je redonne d'attaquer. Lequel des bateaux on attaque? Oui, c'est ce que j'avais posé comme question. Vous voulez qu'on attaque lequel? Je suis d'avis qu'on attaque celui qui semble être en meilleure posture. Tout à fait. Histoire d'équilibrer les choses et d'avoir notre chance. Non, vous voulez attaquer le bateau pirate? On sait pas Pas qui est tout. pirate et qui est pas pirate, mais on attaque celui qui est en meilleure Il y en a un posture, qui a quoi. du rouge sur sa voile? Oui. Tous Ok. rouges, m'agresse l'œil. Qui disparaissent? Est-ce que je peux tenter, quand je serai à portée, hein, une attaque pour essayer de briser le mât, enfin un truc pour que le bateau puisse pas se barrer? Éventuellement. Bon, voilà, je ferai ça quand on va accoster, genre un éclair, une boule de feu vers le mât. Et après, je protégerai le trésor du capitaine. Alors je vous demandais quelques secondes, j'ai des MP à envoyer. Quoi, tu veux dire que Pong est en train d'envoyer des pirates? AFK 30 secondes. Non mais qu'est-ce que tu imagines de... Je commence à connaître Ouais, tes moi c'est persos. cité, je suis un nomade samouraï. Je commence à connaître tes persos. Esprit bizarre. Fidèle à son clan, il va là où il y a l'argent. Voilà. Ouh, je sens que Bayushi va mourir ce soir, tué par un de ses larbins, enfin, de ses associés, alliés. Bon, vous allez Traître. voir. Mais non, c'est pas juste comment t'as deviné. Du coup, Trop j'ai bien. envoyé mes MP. On va attendre que Akodo revienne. Je lis mon MP. Qu'est-ce que j'avais pensé un petit peu là? Voilà, après, ils ont essayé de le faire RP, puis s'ils te convainquent dans l'autre sens, tant Ouais. pis, mais voilà. Je demande à capitaine, ça va, puis-je vous dire un mot en privé? Je vous écoute. Je peux comprendre que vous disiez attaquer les pirates rouges qui sont une menace, et croyez-moi, je serai le premier à les attaquer, mais quel est le but de notre mission? Parce que si nous devons infiltrer les pirates, montrer que nous, pirates, on attaque d'autres pirates pourrait mal nous voir, alors que si nous les aidions, nous pourrions peut-être intégrer leur rang, si on peut dire, et grimper dans la hiérarchie de cette grande confrérie de pirates, et du coup, aller directement à leur capitaine, à leur vrai capitaine. Parce que là, c'est qu'une des voiles. Et les autres voiles, d'ailleurs, autour de nous, là, qui arrivent, c'est aussi des voiles rouges? Ou non? Non, ça a pas l'air. Ça pas là. Ça a pas l'air pour l'instant, en tout cas. Voilà. Donc, si les bateaux qui arrivent sont là pour attaquer les pirates, le fait de les sauver, si on peut dire, pourrait nous apporter à la fois un peu de renommée au père de cette bande des briques, des pirates. Parce que si nous les attaquons maintenant, nous faisons que, là on a eu de la chance, nous ne faisons que faire à ce qu'aurait fait n'importe quel bateau patrouilleur. Alors que si nous les aidons, nous avons peut-être la possibilité d'intégrer leur rang et donc de remonter la piste et de les attraper, surtout que vous êtes connu en tant que pirate.
Donc le fait de les avoir aidés montre bien que vous êtes aussi méchant qu'un pirate. Et du coup, bah, peut-être que vous pourrez approcher d'assez près leur vrai capitaine et découvrir son identité, où ils se cachent, leur base, et à ce moment-là, coordonner une véritable attaque. Moi, je dis Je ça. crains, moi aussi, Junichi, que le voile du sommeil ne soit pas encore correctement levé et que ça n'ait aveuglé ma vision. C'est en effet extrêmement sage et intéressant de votre part. Oh, vous savez, c'est un petit Camille qui m'a soufflé l'idée. Mais enfin, capitaine, Espèce ça de va. lécheur. Et la Je gloire? veux les expliquer. Ouais, je me suis permis d'intervenir parce que c'est ce Nous avons un que. pays, nous avons des gens à nourrir aussi. Il faut les payer. C'est quoi encore Yoritomo? C'est Pong. Yorimoto. Yorimoto? Et moto. C'est Yoritomo et Yorimoto moto. et moto. Yorimoto et Moto-sama. Je pense que s'il est question de gloire, la gloire sera bien plus importante si nous ramenons les têtes de tous les capitaines pirates. Enfin, si nous ramenons pour être jugés tous les capitaines pirates devant la gouverneure. Croyez-moi, nos noms seront nettement plus reconnus. Certes, Katama, mais on pose un entraînement pour notre équipage quand même. Il serait bon de temps en temps d'avoir quelques cibles pour remonter le moral. Pong, je dirais deux choses. Un, le fait de pouvoir participer des pirates nous rassurera énormément de richesses. Et deux, c'est des ordres du capitaine. Genre, ta gueule. On oublie. Nous pouvons même aller plus loin. Je pense que notre dernière prise en date a été suffisante pour que les hommes ne s'inquiètent pas trop pour leur salaire immédiat. Et ils savent tous que nous ne sommes pas en mission pour devenir riches, même si elle peut présenter des à-côtés intéressants. Vous êtes tous choisis en tant que samouraï du clan de la Mante. Et je pense que même si le sens du commerce est indiscutable, vous savez aussi faire preuve d'un minimum de stratégie et de patience Ouais, pour de plus bon, grandes ils ont fait la récoltes. queue, hein, donc on sait qu'ils peuvent être patients. Très bien, Capitaine Sama, je vais m'assurer que l'équipage soit prêt pour l'assaut. Donc, on Oh, bah attaque le y a deuxième Pong qui bateau. prépare une rébellion, y a Pink qui essaie de devenir capitaine à la place du capitaine en étant intelligent. Bayushi commence à se dire, putain, Bah, ça bienvenue chez la menthe, hein. Ah, ah bah, tu sais, la menthe, c'est presque un nid de scorpion, hein, tu vois. Je vois ça. C'est mon personnage, c'est marqué leader né. Oui, alors ça veut juste dire que tu mènes les troupes, les troupes, enfin que tu sais te débrouiller sur un champ de Pour diriger bataille, des gens. quoi. Ouais, J'ai la classe. ouais, en Adamas. fait, Les gens m'écoutent. c'est ça, t'as du charisme en fait, ouais. T'es Mais l'exemple à suivre, tu vois. ouais, Pong-sama, je pense que vous avez montré vos capacités de leader au cours de tous ces événements et n'hésitez pas à montrer à vos hommes que un petit peu de patience leur permettra d'obtenir de bien meilleurs paiements par la suite. Vous inquiétez pas, Captain Sama, je veille au bon grain. J'en suis convaincu. Yorimoto et Moto. Yoritomo et Moto. Yorimoto. Bref, le joueur commence à bugger sur les noms, donc laisse tomber. Pong-sama. Je rappelle, hein, tous enfin, tout l'équipage est au courant que c'est une mission d'infiltration pour se faire Oui, c'est passer pour pour ça des que. pirates et pour au final les choper. Hein, Bah, voilà. c'est pour ça que je parlais de la mission dont tout le monde était au courant et en disant que ça avait peut-être des à côté, mais c'était pas notre but, quoi. Du coup, je me suis permis de faire intervenir le capitaine, enfin, ton second, J'avoue que le parce joueur que. était passé un peu en mode. Bayushi. Du coup, on Non. défonce la guerre. Bah, du coup, comme d'habitude, Bayushi va rester à l'abri pendant que les autres se battent, c'est-à-dire au meilleur endroit pour être en sécurité, sur le bateau ennemi. Oui. Mais du coup, capitaine, on attaque toujours la voile rouge ou on attaque l'autre?
voile. Nous allons aider le pirate. On aide la voile. Très bien. Notre but, là, tout de suite, va être de nous assurer que ce pirate nous mène à de plus gros poissons. Et la meilleure façon de le faire est que il soit convaincu que nous soyons de son côté. Et pas en bateau. Et ensuite, nous le mènerons en bateau. Alors. Tac, tac, tac. Alors déjà, vous allez me faire un... Enfin, tu vas me faire, capitaine, un jet de... Navigation... Ouais, j'ai bien eu. Navigation... Ah, est-ce que c'est... On va dire intelligence, ouais. Allez. Ça va. Juste, mais t'arrives à manœuvrer ton... le navire comme il faut pour le faire aller là où tu veux. Deuxièmement, tu vas me faire un petit jet d'art de la guerre. Quoique, non, ça va pas de la peine, le jet de la guerre. Parce que vous arrivez un peu par surprise, les mecs sont en train de se battre contre un bateau pirate et ils sont en train un peu de perdre. Des renforts arrivez, mais c'est pas des renforts. Voilà. Donc vous allez être en gagnant ce tour-ci, ce qui sera probablement le seul. Vous allez me faire le petit jet sur la table de combat de masse. C'est rigolo. C'est un jet de quoi? Un D10, c'est ça? C'est vrai, c'est un D10 plus votre haut plus votre art de la guerre. Quoi? Ça a augmenté? Il explose le D10 ou pas? Non, 4. non, il explose pas. Ok. 11 pour moi. 13 pour moi. 15 pour Karl. C'est honteux. Alors, nous avons une opportunité héroïque pour le Shugenja. Ok. Et nous avons deux duels pour les autres. Aïe aïe. T'as une meilleure opportunité héroïque quand tu fais pas des gros jets de gros bois, c'est ça? Bah en fait ça dépend parce que en fait le duel et l'opportunité héroïque c'est un peu la même chose parce que une des opportunités héroïques c'est de faire un duel. Ah. Voilà. Mais du coup l'avantage de gagner un duel est quand même pas mal comme bonus pour l'autre adversaire, enfin pour le jet suivant d'art de la guerre. Voilà. Y'a quoi qui permet d'augmenter l'initiative? Juste le réflexe? Oui. Faut que je passe à 5 en réflexe. Après tu as des avantages aussi qui te permettent d'avoir des petits bonus. Notamment un avantage qui te donne plus 2 d'initiative tant que t'as pas l'initiative sur le tour. Tous mes tours d'initiative quoi. Oh non, pas tant que ça hein. Bon. Et après, t'as le rang 1 Bayou, de l'école de Bushi Bayushi, qui est pas mal, puisqu'il te donne un bonus de 1G1 en initiative, de base. Ouais. Après, t'as le rang 1 de l'école Kakita, qui donne double de ta compétence de Yai en bonus d'initiative. Ouais, quand tu commences à avoir 5 en Yai, tu commences à faire sérieusement mal à l'init. Ah bah oui, quand tu as 7 en Yai, tu fais plus 14 à ton init, quoi. Donc ouais, ça... Parce que quand t'as pas l'init, c'est un peu la honte, quoi. Ah. J'en suis capable. Après, il doit y avoir d'autres écoles hein, qui donnent des bonus en init, mais... Là, de mémoire, c'est les deux seuls que j'ai comme exemple, quoi. Et comme tu es scorpion, si tu veux faire ton rang... enfin, si ta deuxième école, si tu veux faire Bayushi... Enfin, tu veux faire l'école de Bushi Bayushi classique... du coup, c'est un rang que tu peux atteindre, quoi. La campagne ira au point que vous ayez ça comme rang, hein, mais... Alors... Akodo, tu vas me jeter du coup un D21. Ok. Ou un D19, je sais plus. Non. Tu veux un D21, donc un D21. Ouais.
Pensant, je vais jeter des dommages. 15. Alors. Donc ça. Donc tu vas te prendre 13 points de dommages. Ok. Et tu m'as fait un 15. Ok. C'est con parce que je crois qu'il y a un bouquin avec. Tiens, je vais. On a le temps, hein, je vais sortir. Sur. Tu m'as dit 13 points de dégâts, c'est ça? Ouais. Et combien de points de gloire? 0. Et là, je vais tomber dans la case où il y en a 0. Ok, bon. Bah, c'est pas de soucis. Alors. Okay. C'est triste. Ouais. Il me semble que dans le bouquin de l'eau, il y a des opportunités héroïques en plus pour le combat sur maritime. Ça peut être marrant. C'est certain que je vais le trouver aujourd'hui, mais ça. C'est une recherche, on verra. Je trouve, j'ai pas trouvé. On s'en fout. Donc tu m'as fait 15. C'est ça. 3, 4. Bon. En gros, tu vois que les archers sont en train de se disperser un petit peu. Il faut leur redonner courage. Et donc il faut faire un jet d'intuition, spectacle, oratoire. Je sais pas si c'est le mot utilisé dans le bouquin en français, mais bon, du coup je pense pas que tu l'aies cette compétence-là. Donc du coup tu peux soit dépenser un point de vide, soit faire un jet d'intuition. Ouais, je dépense un point de vide et il faut que je fasse un jet de quoi? D'intuition avec, et donc c'est 20 la difficulté. Ok, intuition plus, donc ça me fait du 5G4. Ok, ça devrait aller. Raté. Bon. Du coup, les autres, vous avez deux duels. Alors, par contre, vous prenez un peu moins de dégâts, je crois. Bon, du coup, le Bayushi va se prendre qu'un G1 parce qu'il y a une garde. Eh, je fais quand même 17 avec un G1. GG. Arrête de frimer. Non, mais c'est pas mal quand même. Sur le système, si je fais des G chelous, c'est forcément que tu cheats. Mais non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc je prends 17 points de dégâts, c'est ça? Ouais. Alors, sur ces points, évidemment, vous enlevez votre armure, votre terre et votre compétence, soit votre terre, soit votre air, plus votre compétence art de la guerre. C'est plus intéressant de faire air plus ses compétences art de la guerre. Souvent, je suis d'accord. Parce que du coup, ça me fait 6 contre 3, tu vois, genre... Oui, mais j'en doute pas, mais c'est souvent le cas. 8 points de dégâts. Mais pour des personnages débutants, c'est pas toujours le cas, quoi. Et après, tu as un duel. Ouais... Donc on a récupéré tous nos points de vide et tout ça depuis le combat. Oui, bien sûr. Ok, duel. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de duel. Tu peux me remettre la feuille de duel? C'est pas un duel de Yai, hein. C'est un duel combat. Ouais. Donc c'est combat, initiative tapée, quoi. C'est ça. Ok, bon bah initiative 45. Ok. Alors attends 2 secondes, je charge le PDF qui va me dire ce que tu vas affronter. Ouais, j'ai peur de l'information. Ouais, non, ça c'est idiot. Ah, c'est bien ça. Ok. Alors. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre? 3, tu le bats en initiative. Première attaque normale. Pas d'augmentation. 33. Ah, j'aurais dû mettre un GS, je suis con. Hein. Bref, 33. Pardon ? Ça marche, tu peux faire des dommages. Bon, ça va être un peu long, hein, le combat, je pense. 11 points de dégâts dans sa gueule. C'est pas très exceptionnel. Ça change des 45 de la dernière fois. Le S, faut le mettre en majuscule.
Oui. Ok. Attaque qui se coule, hein. 44. 15 points de dégâts. C'est ce combat. On n'est pas très loin du combat de vieille. Ouais. Bon, tu lui fais des dommages quand même. Alors je réfléchisse. Ok. Tac, ça c'est bon. Il y a l'autre truc qu'il faut que je vois. Deux secondes, hein. Je fais une petite caracule, un petit machin. Ce n'est pas spécialement rassurant. T'as raison. Ok. Ok, donc lui t'attaque. Il est en attaque, le monsieur. Il me prend plein la gueule et beaucoup trop. Il a combien en feu d'un nain, donc ça fait ça. Ouais. Mais du coup. Ouais. Il va quand même. Il va charger parce que sinon il te touchera pas. Je pense. Ouais. Ah bah il est obligé. Hein. Ouais. Et alors du coup. What? Bah Tetsubo hein. Ah il te rate la deuxième attaque. D'accord. Par contre bon. Je crame un point de vide. Ça peut aider. Donc ça fait 11, ça fait donc 19 de total. Bon, ben du coup maintenant c'est au combat de... Non, c'est à toi. On continue, on va le finir. D'accord. Bon, je suis désolé, Shinjo, va falloir attendre un petit peu. Hein. 40. Mais pas de soucis. Tu touches. 22 points de dégâts. 27 pour toucher, ça touche. Ah, merde. Non. Donc là, tu lui mets 22 de dommages. Alors. C'est là que ça devient intéressant. Alors, tu vois, le monsieur qui s'est quand même passablement énervé. Hein, après tes deux premières attaques. Tes deux premières attaques. Et donc, du coup... Non, ça passe, t'as 27, parce qu'il était en assaut le tour d'avant. Donc si ça passe. Pardon. En fait ça fait 24 parce que j'ai le malus de plus 3 mais... Ça passe quand même. Wow. Ok, 26 de dégâts. Ouais. Alors là ça peut être intéressant, on va falloir quand même que je sorte... Ouais ça c'est bien. C'est bien ça, le bon level lui. Tu te touches à 37? Bah ouais, j'ai 30. Ah. Alors du coup, il était combien en dommage lui? Il était en 8G3. Oh! Eh ben il fait du 10G4 maintenant. Il fait du quoi? Il fait du 10G4 en dommage, tu prends 37 de dommage. What? Ok, bah c'est bizarre, je vais cramer un point de vide déjà pour commencer. Oh putain, je suis dans la merde. Je suis épuisé. Ça fait 27, 24. T'as enlevé ton armure? Ouais. Alors, les points de dommage que tu as reçus par le tour d'art de la guerre peuvent ne pas compter, si tu veux. On va être gentil. Faut considérer que c'est... Tu veux, mais tu peux jouer par les règles, hein, tu sais. Bah, c'est pas très clair dans les règles, donc bon. C'est chaud entre 35 points de dégâts et 43 points de dégâts. Ah, ça va pas te changer beaucoup, hein, mais... Ah si, si, ça fait 5 points de malus en moins. Oh putain. Bon, mais c'est pas grave, tant pis. Moi, je les applique, quand je les ai pris, tant pis. Oh, bah dis donc, ça commence à être compliqué de le toucher, le bonhomme. Ouais. Je suis à 45 points de dégâts.
Dans 12 sueurs de combat. C'est ça. Et lui, il lui en reste encore 200, c'est ça? Bah en fait, je pense que ta garde va t'évacuer. Ouais, je pense aussi. Je pense que j'ai laissé ma garde m'évacuer parce que cet enculé il a fait mal. Donc c'est un bateau du crabe qu'on attaque. C'est ça. Ok. Bon, peut-être se renseigner bon, sur cette information juste avant de lancer l'assaut. Si Pong a plus de chance dans son duel. Pong il est pas aussi fort que le capitaine. Ouais. Du coup, alors. En fait, j'ai acheté un PDF où il y a des personnes, enfin des personnages plutôt, des personnages qui pré-tirés. Ah, où joue? Non, du coup j'essaie de prendre ça parce que ça me permet de pas créer mes personnages, mais d'avoir un truc qui tape la route quoi et tient la route. Et voilà, du coup. Ok. Bon. Mon petit Pong, tu peux te jeter en initiative, s'il te plaît? Ah. Ouais, il a mis le nom, putain, 33, quoi. Et lui, c'est qu'à l'école. Ah ouais. C'est que dans le truc, ils te mettent des personnages qui sont totalement what the fuck, quoi. Ouais. Parce que t'as des Yasuki qui sont deux rangs d'école dans l'école de Yasuki et un rang d'école dans l'école Kakita de dueliste quoi. Ouais, donc ils ont mobilisé un perso quoi. Bah c'est ouais, enfin je comprends pas trop l'intérêt. Bon, après c'est enfin j'ai pas lu le BG donc ça ils doivent l'expliquer dans le BG tu vois pourquoi il a ça mais. Et ça aurait été un BG intéressant, mais j'aurais été peut-être plus pratique d'avoir un bouquin avec que des trucs vraiment classiques, quoi. Adhérents un peu élevés. Ouais. Alors, du coup, on va faire comme ça. Donc, lui va faire son initiative. Ah! Bon, bah, il a l'initiative. Okay. Ah, ça c'est un jet de merde d'attaque. Donc je suppose qu'il te rate à 18 et 19. Ouais, et de peu, okay. Ok, bah il te rate deux fois et de peu. À mon avis, il a même pas l'aspect. Tant pis. À toi. Par contre, j'ai combien d'attaques moi? En attaque? Bah t'as... J'ai combien d'attaques du ma classe? Ah, une seule. En deux, mais j'ai une seule, ok. Une seule. Alors je te conseille d'attaquer au katana. Hein, parce que... c'est pas marqué dans la fiche, mais tu feras plus de dommages qu'avec tes kamas. Okay. Donc les kamas c'est 0G2, non? Ouais. Donc du coup, t'ajoutes ta force, en fait. T'as 4 en force, donc tu fais 4G2. Mais avec ton Kenjutsu, tu taperas mieux. Parce que tu fais... en dommage, tu vas... T'as 4 en Kenjutsu, donc déjà, ton jet d'attaque, c'est 7G3. Bah, comme lui. Tac, tac. Il faut que tu fasses 3 fois 5... 25. Il faut que tu fasses 25. Bah, jette les dommages. Oui. Ouais, mais. Après, toi, t'as pas un gros gros bourrin. Hein. T'as un mec. Parce que, ouais, celui qui s'est tapé. Celui qui s'est tapé Bayushi était quand même beaucoup plus costaud. C'est un putain de berserker, quoi. Ouais. C'est fort, je trouve. J'ai essayé d'en faire des efforts, hein, mais il a cheaté un peu, monsieur. Ses stats ont changé en cours de combat. Il y a un problème de calcul dans la fiche, en fait, c'est dommage. Tu lui as fait 15, ok. Bon, il va enlever quand même 3 parce qu'il a une armure.
Tac tac, ouais. Et il va enlever 10 en dépensant un point de vide, donc il va lui rester 3. Non, 2. Pas pour ce que ça change. Ok, donc à lui d'attaquer. Je suis même pas sûr qu'il ait deux attaques, mais il y a quand même de grandes chances. En dommage, 7G2. 7G3, il te touche. 7G2, il te fait 17. Ouais. Ton armure compte deux fois, hein. Du coup, parce qu'il t'a fait deux attaques. Tu fais 17 sur les deux ou... Non, j'ai fait 20 et 17 en dommage. Gaillard, hein, t'as 3 en terre. Tu vas tenir, quoi. Donc que pour une attaque, hein. Ouais. Ouais, tu peux pas en dépenser 2, ouais. Et donc, du coup, tu prends. Là, t'as pris 37, t'enlèves deux fois ton armure. Alors, je sais pas pourquoi il y a écrit 4 en réduction dans ton armure, mais. Non, ça c'est quand on est en fait, c'est quand on est en mode combat zone. J'ai que 1 d'armure à la base. Ah. Je prends normalement 25 points de dégâts. Ok, donc t'enlèves de ça. De... T'as compté les 10 points de vide là? Oui. Enfin le point de vide. Ouais, ouais, c'est compris, c'est tout compris. Tout est retiré déjà. Ah ouais. Bon, ça va, t'es en blessé là. Donc à toi. C'est pas très glorieux quand même notre aide, notre venue à leur aide. Oui. Bon après, y a Tsurushi quand même. Alors, par contre, le crabe que t'avais en face de toi, Bayushi, ça va être compliqué de le faire tomber, quoi. Bah il va envoyer au tapis... Hein ? Même avec tout ce que je lui ai envoyé dans les dents. Ah ouais, ouais. Blessé en malus, ça fait combien ? Ça fait... 10, non ? Non, 5, non ? J'ai pas écrit donc je peux pas te dire. Ouais, je. Alors, blessé, c'est plus 10. Plus 10. Chez moi en tout cas. T'as des trucs qui diminuent. Non, c'est légèrement blessé que t'es. Toi, c'est. Oui, c'est le L blessé en fait. Parce que la fiche est petite, mais. Mais c'est ça, c'est 5 toi. C'est pas 10, c'est 5. Tu touches. Tu peux faire des dommages. Pas comme dommage. Les malus ils comptent aussi pour les dégâts? Non, non, non. Ouais, ça fait 23 en fait, parce que j'ai inclus les malus dedans. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. 23, c'est pas mal ça. Moi aussi j'ai balancé des trucs à 20 de plus et en fait ça a juste énervé le bonhomme qui m'a défoncé la gueule comme si j'étais un bout de papier quoi. Non, 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 non. Mais bon, c'est pareil, hein. Shinjo tu la tues pas comme ça. Le gars, mais il a quand même pas mal de points de vie. Ok. Va falloir que j'augmente sa caractère d'endurance au bonhomme. Rate, deuxième attaque, oula. Oula là. Ah ouais. Bon, sa deuxième attaque, elle fait mal, hein. Oh. Oh putain. Vas-y. T'as une augmentation gratuite à ta prochaine attaque. Vu le score qu'il a fait tout pourri. Ah le combat de vieille. Ah je sens venir le combat de vieille. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Oh, ça se souvient. Ouais, 15. Ouh. Ok, bah il te rate deux fois. À toi. Alors, tu peux utiliser des attaques, des assauts, des points de vide, des trucs comme ça, hein. Ouais. Pour essayer de faire que le combat soit un peu moins un combat de vieille, mais... Méfie-toi, il essaie de t'affaiblir. Ne choisis pas l'assaut. Oui, non, l'assaut, non. Je vais prendre un point de vide quand même pour faire plus de dégâts. Le toucher plus fort. Ah, c'est pas mal ça. Alors, tu c'est pour ton jet d'attaque le point de vide ou pour ton jet de dommage si ouais, tu réussis d'attaque. Ça marche pas sur les dégâts de point de vide, je crois. Au katana, si. Sur un katana, tu peux dépenser un point de vide. C'est la seule arme où tu peux. Toucher en fait, j'ai jamais fait gaffe, ça marche les dégâts. Non, 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 pour les dégâts ça marche, mais que au katana. Avec le kama et autres, ça marche pas. Une attaque normale. Ok. Bon, raté. Effectivement. Oh, bah, t'as une augmentation gratuite, tiens, pour ton attaque. S'il fait 5. Ah, sérieux, putain. 7G3, quoi. Les gens, normalement, tu fais minimum 25, quoi.
Moi, tu me diras, ils ont tous les deux moins de 10, donc forcément, 20 à la bonne heure. Il y en a un qui touche, incroyable. Et du coup, j'utilise un point de vie pour les dégâts. Ouais, ça touche tout juste, hein, mais ça touche. Pouf pouf, dommage. Allez. Ah, bah c'est bien ça. Parce que 26. C'est un point de vie quand même. Bah ouais. Mais. Ah bah là, le pépère il a plus 40 quoi. En malus. Il vient de dépenser un point de vide hein, pour. Donc sinon il était mort. Bon, il va être hors de combat. Tu l'achèves ou pas? Dans la psychologie morte, c'est fait. Je dirais comme tu veux. Bon, de toute façon, si tu l'achèves pas. Il y a de grandes chances qu'il meure quand même de ses blessures quoi, mais s'il est pas traité tout ça quoi, enfin s'il est pas soigné. C'est presque plus généreux de l'achever que de le laisser mourir. Bah c'est pas mal, c'est pas loin. Je suis quick. Ok, tu l'achèves. J'ai pas de tête conscience avec ce personnage, autant profiter. Ouais. Donc du coup ok, donc tu gagnes ton duel. Le reste du combat, en gros, en fait, le combat va être terminé sur tout le navire, mais il va rester en gros le dernier, le crabe que t'as attaqué, Bayushi, qui reste encore debout et qui va envoyer au sol, mais alors au taquet de personnes, quoi, tous ceux qui essaient de l'approcher. Donc consigne va être donnée de l'éviter et d'attendre qu'il se fatigue. Les archers vont le pilonner de flèches. On va arriver à le faire tomber. Le feu a été stoppé. Les différentes personnes. Et donc, tu es, toi, Bayushi... Dans un sale état. Dans un sale état, certes, mais on va dire, sur... Le côté bâbord du navire, avec ton navire qui est derrière toi et tes hommes, et en face de toi, tu as un groupe de pirates, et donc vous vous regardez un peu en champ de faïence pour savoir un peu ce qui se passe, qui vous êtes, tout ça. Un homme sort du lot et se présente comme étant le capitaine du Ometo Umi. Il s'appelle Wangzi. Ah, il fait pas trop Rokugani. Hein. Wangzi. Et il va te demander à qui ai-je l'affaire. Mon nom est Zenji. Wangzi-sama. J'ai commencé à faire affaire dans la région il y a peu de temps et... je me suis dit que il serait bienvenu de ma part de venir vous prêter main forte. Généreuse et régulière, comme tout marin libre qui se respecte. Que Zenshi Sama ici présent n'a pas compris. Que je n'ai pas la vision globale qui permet de saisir cette information, mais je suis ouvert à tout renseignement. Que voulez-vous en échange de l'aide que vous venez de nous apporter? En gros, la demande qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on se bat pour définir le butin, ou est-ce que tes représentations sont correctes, sont gentilles? La question qu'il y a derrière, donc fais gaffe à ce que tu réponds. Bah, tu leur laisses le butin, tu prends leur bateau. Le bateau crabe, il est en état? Ouais. Il est tout petit, mais oui. Mais il serait suffisant pour le second bateau? Bah ça en pourrait en être un. J'ai récemment eu des entrées d'argent. Enfin des... Ouais, c'est ça. Suffisantes, mais si vous n'avez pas usage... de la coque qui entoure votre prise. Honoré de vous en débarrasser. Qui fait flotter votre prise. Coque crabe
pourrait rapporter un bon pactole si je la revendais au... à son clan. Capitaine Sama, si vous me permettez de vous introduire entre nous deux, enfin déjà je lui demande à lui parler en fait entre nous. Donc juste quand on est juste lui et moi, je dis récupérer le bateau, ce n'est pas notre but final. On n'est pas là pour faire une flotte de pirates et il faudrait trouver des marins. C'est compliqué. Il vaut mieux lui laisser. Non, les marins. Ouais, mais c'est pas des manières infiables. Notre but, je te le rappelle, donc comme c'est d'infiltrer eux, et ce qui serait plus intéressé, c'est de, comme c'est la Val Rouge, on sait qu'ils sont célèbres, t'es un capitaine qui n'en veut, leur demander, écoutez, moi j'aimerais aussi ma part du butin dans les prochains raids. Ça, c'était dans l'idée, hein. Mais du coup, faut leur laisser le bateau, parce que sans déconner, ça va être plus difficile à gérer. Vaut mieux que tu sois assez doué avec ton bateau et tellement célèbre en tant que capitaine sur ton bateau, que tu montes en grade chez eux, plutôt que d'avoir ta propre flotte. Je sais bien, t'inquiète pas, c'est juste que, en fait, pour le coup, j'avais... Je faisais une demande relativement acceptable. Non, je peux comprendre, mais tu peux très bien leur dire que... Du coup, s'il acceptait, être utilitaire pour nous, tu vois. Enfin, moi, je fais pas mal pour le bateau, je m'en fous, c'est juste que... Justement, tu peux leur dire, écoutez, on vous a aidé pour cette prise-là, vous nous aidez pour la prochaine. On y va, enfin, dans l'idée, c'est... Ouais, enfin... c'est l'idée de la réponse que j'avais envie de lui faire. En fait. Ok. Ah, parce que je pense que ça vaut pas le coup de continuer sur posséder des bateaux. En fait. Mon but n'est pas de faire une flotte. Mon but est que tous les marins qui nous ont rejoints puissent nous servir de... Alors, il va juste dire, si ce bateau vous tient à cœur, il y a moyen de savoir si vous méritez de l'avoir. Je suis prêt à le jouer sur un duel. Ce bateau en lui-même n'a pas d'importance. Alors, capitaine, vous pourriez aussi très bien le parier avec votre jeu préféré, et là je sors une paire de dés ou un go, en fait. Ouais, alors, tu m'as pas alors... souvent vu jouer, je pense. Non, mais alors, c'est mon but. C'est que je veux qu'il croit en fait que tu es un joueur pour que tu puisses les manipuler comme ça en disant que tu perds souvent à tes jeux, etc. Parce que le but, c'est pas que tu gagnes ou que tu sois un gros joueur, mais qu'il pense que tu as le démon du vice en fait. Et que tu es capable de perdre du pognon, tu es capable de perdre une prise pareille, ça montrera que tu n'es pas si malin que ça en fait. Alors que c'est faux. Montre à les pirates que t'es assez malin et intelligent, que t'as de l'éducation, ça va vite le voir. Lui, au vu de ton état, te dit que évidemment, si duel il y a, il t'autorisera à être soigné avant. Hein. Lui aussi a des plaies également, il est un peu moins en piteux état que toi, mais voilà. Ah, mais t'es beaucoup trop borné pour moi, je l'avoue. Comme je oui. disais, ce bateau ne m'intéresse pas plus que ça. C'était une opportunité comme une autre. Et Il portait le surnom de Jeune Ours. Ouais. J'ai le poilu. Dire que les ours étaient dangereux sur les mers. En effet. Bref, donc je disais, ce bateau ne m'intéresse pas plus que ça. C'était une opportunité pour améliorer ma flotte. Rien de plus. Mais je suis sûr que nous pouvons nous entendre pour trois plus alléchantes encore. Je cherche essentiellement des plantes qui puissent être régulières et assurer un maximum de mes hommes une vie longue et prospère. C'est ce que j'aurais promis en tout cas. Je suis pas... Vous avez aidé mon équipage? Je vais pas vous laisser partir vite, ça serait impardonnable de ma part. Et voici un présent. Et donc en fait, il fait signe et t'as deux de ces mecs qui amènent une prisonnière. Et il te dit, son père sera ravi de payer une rançon en échange de sa liberté. Je suis sûr que vous arriverez à vous faire... De quelle famille est cette personne? J'essaie de la regarder pour voir si je vois des couleurs de mode ou un truc comme ça. Intelligence... Héraldique, ouais, tout à fait. C'est la compétence que je cherchais. Okay, je claque un deuxième point de vie pour avoir la compétence. Un jour, faudra que je prenne Héraldique. Un jour.
29. Ah ouais, quand même. Mais bon, c'est. Ouais. Alors, c'est une Yasuki. Ok. C'est quel clan ça, Yasuki ? Dragon. Non. Yasuki, c'est cru. C'est... Ah oui, c'est crabe. C'est crabe. D'accord. C'est les commerçants du crabe. En même temps, c'est assez cohérent vu le bateau. C'est des crabes. Cool. Elle a un nom, ce prisonnier, cette prisonnière. C'est pour savoir si elle a. Si je... le nom fait tilter tout de suite, du style ah ouais, c'est une famille hyper importante ou. Un lambda. Non, non. Ok, ça ne fait rien tilter. Ok. Alors, est-ce que t'as commerce, toi ? Moi, je n'ai pas commerce, non. C'est Pong okay. qui est commerce. Donc, c'est perso Chinjo qui est commerce. Ouais. Pour ceux qui ont commerce, vous pouvez me jeter un G intelligence commerce ou intelligence connaissance du clan du crabe, si vous l'avez. Voilà. Comme je ne pense pas que vous l'avez, vous ayez une de ces deux compétences. En français, on va le faire. C'est mieux. Commerce, c'est pas dégradant pour des samouraïs ? Si. Non, pas le grand commerce. Comme ouais. chez les occidentaux, c'est le petit commerce qui est. C'est marchandé qui est déshonorant. En fait, souvent les samouraïs sont des patrons de commerce. Ils dirigent, ils touchent leur com, mais ce n'est pas eux qui pratiquent le commerce, à part dans certains clans. Donc du coup, c'est très souvent. Par exemple, on avait eu ça quand on était à Kalani. Oui. Il y avait un bar en fait. Il y a un samouraï, le crabe. Mais c'est pas pour autant qu'il connaît exactement ce qui se passe, il peut être à Second City, tant qu'il reçoit son pognon. En gros, il est propriétaire de la boutique et il loue la boutique. Voilà, en Occident, c'était les grands, on était commerçants, on était bien vu quand on était des grands armateurs. C'est-à-dire, on filait du pognon pour les bateaux, etc., mais on n'était pas boutiquier. Exactement. Après, voilà, c'est pas non plus quelque chose que tu te... Donc tu tires beaucoup de gloire, tu vas pas le dire à la cour non. que tu es le patron de telle boutique. Par contre, ce que tu peux dire, c'est tu as rencontré un jeune artisan qui fait un travail sublime. Voici quelques pièces qu'il a fait. Vous le trouverez à tel endroit. Et bon, si derrière vous achetez, bon, moi je touche une com, mais ça je vous le dis pas. Oui, en gros, tu te présentes comme un mécène et non pas comme un propriétaire. Ouais, plus comme ça, ouais. Yasuki, eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Ceux-là, voilà, ils ont pas beaucoup en honneur. Ouais, les couilles étaient Yasuki, non ? Il y a des chances, ouais. Mais tu vois, c'est toujours. Il y a des clans qui, si tu veux, qui considèrent que le commerce est quelque chose d'utile, et d'autres, des clans de guerriers, par exemple les Akodo, ils en ont rien à branler, quoi. Un Akodo sera pas propriétaire de. Enfin, si tu veux, c'est pas glorieux ouais. plus que ça. Les Yatsuki peuvent être doux dirigés, ils n'ont aucun problème, ils trouvent ça même très intelligent. C'est pas faux. Hein. En effet. En effet. Du coup, prisonnière, le mec te dit que le capitaine, donc, comment il s'appelle, Wangzi, te dit qu'il y a peut-être des opérations à faire dans les prochaines semaines et que il pourrait t'en toucher deux mots si t'y intéressais. M'intéresser au plus haut point avec des éries la côte est, nous est actuellement légèrement défavorable. Je vous avertis, ça va être du lourd hein. Nous ferons ce que et plus la prime est haute, plus le risque est grand. Le risque sera très grand. Espérons que le butin le soit également. Il récupère le bateau. Les autres navires qui étaient aux alentours, certains ont fait demi-tour quand ils ont vu l'issue du combat, hein. Enfin, quand ils ont vu qu'il y avait un combat, surtout. Quelques voiles rouges qui sont apparues et qui ont rallié le premier navire, plus petit, hein, beaucoup plus petit. En fait, très rapidement, ils vont s'occuper de la marchandise et ils vont peut-être pas tous avoir des voiles rouges, d'ailleurs, hein, pour être plus discret. Mmh. Voilà. Et donc te voilà avec une prisonnière. Donner un nom, ça peut être sympa. Attends.
L'ex-prisonnière, on va lui demander qui est son père, on va lui demander ce qu'elle transportait sur son bateau et... et compagnie. Ok. Ben, je t'en prie, on a fait le RP. Hein. Alors, juste avant, tu as quand même... Tsurushi Nayu qui aime pas ça. Oui, ben, je pense. Qui n'aime pas quoi? Le fait qu'on ait des prisonniers. On va la ramener on va bien la traiter, on va l'envoyer directement. On n'a qu'à la vendre et on va dire qu'on a trouvé un acheteur entre guillemets. Et on va la planquer pendant un mois ou deux à Cali. Alors la jeune fille est samouraï. Probablement depuis peu de temps. Elle ne porte pas de katana. Elle est assez jolie. Attaque. Que dire de plus? Elle se laisse pas faire. Hein, elle se secoue dans tous les sens. Elle dit lâchez-moi. Quand les armées du crabe vont vous trouver, ils vont vous mettre en pièces. Tout ça quoi. Bon, par contre, si elle se calme pas, je vais lui en mettre une. Hein. Bah, dans les premiers temps, c'est comme ça. Parce que vous êtes, au final, pour elle, vous êtes des pirates de merde. Hein. Elle, c'est une samouraï, quoi. Quand même. Bah, écoute, on va la laisser gueuler, on va la laisser avoir un petit peu faim et soif, et une fois qu'elle en aura marre, on va lui parler. Le capitaine Sama, juste entre nous, vous savez. Ce qui se passe ici, ça reste entre nous, hein. Si... Enfin, voilà, quoi. Alors, la question, c'est comment tu la traites Par-dessus bord. Est-ce que tu lui donnes une cabine plutôt bien? Est-ce que tu lui donnes une espèce de cachot dégueulasse? Comment tu aménages le truc, en fait, pour elle? Je pense qu'on va la laisser toute seule dans sa cabine. On va la mettre dans une cabine relativement bien. Enfin, plutôt bien. Si on a des cabines en rab, évidemment. Bah, ça veut dire que tu dégages quelqu'un, c'est tout. Oui! Ton second. Ouais. Par exemple. Je sens qu'elle va avoir un coup de froid bientôt. Ouais, ou moi. Enfin, moi, à la limite, je peux sacrifier ma cabine. Hein. Après tout. Non, tu le feras pas. Je te le dis, faut pas. Je veux dire, c'est les capitaines. Non, ça sera mal vu par les coups, mais. Non, c'est moi qui vais dégager. Je sacrifie la cabine de mon second. Par contre, moi, sinon, ce qui peut être intéressant, c'est de la prendre dans ta cabine et tu la mets dans un coin. Et les hommes penseront qu'elle est à toi. Ouais, ça me plaît aussi comme idée. Mais en fait, ouais. Comme ça, je récupère ma piole. Non mais du coup, Jordan, j'explique, du coup, elle est à moi et on la parque dans ma cabine jusqu'à ce qu'elle soit apte à comprendre. On lui met des chaînes pour qu'elle foute pas la merde et qu'elle bouge pas. Et puis elle reste dans la truc, et puis comme ça au moins tu peux la rassurer. Ouais, c'est ça, comme ça au moins je pourrais lui parler. Et pour tout le monde, on va savoir que t'es un bonhomme, quoi. Parce que t'as pas vu faire la queue, donc... Alors, si en fait, j'avais commencé à faire la queue, mais j'ai été occupé, en fait, rapport au... Il est passé devant, en fait. Ah, capitaine, ouais. Oui. Bah oui. Par contre, il faudrait qu'on... Voilà, on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible, la rendre aux autorités compétentes. C'est ça. Exactement ça. Mais pour le coup, c'est qui les autorités compétentes? Des gens de la menthe. Faut qu'ils l'extradent et qu'ils la planquent pendant un mois ou deux, le temps que ça jase pas. Parce que si elle est libérée dans la semaine... Il y a deux possibilités. Soit tu le joues vraiment comme un pirate et tu demandes une rançon à sa famille et vous organisez la vente, entre guillemets. Soit tu peux carrément faire le gros connard et la vendre à autre chose et lui enlever son statut de samouraï. Autant être honnête, genre personnage. Je suis d'accord, mais ça peut-être que ton personnage. Du coup, elle finira par y arriver. Mais voilà, du coup, elle, c'est une. Moi, je te donne les possibilités envisageables. Après, j'en imagine peut-être pas toutes, mais. J'avais bien compris.
mais voilà, de l'autre possibilité, donc de la vendre à une maison de geisha ou un truc comme ça. La troisième, bah, comme l'a dit Akodo, donc ça serait éventuellement de la faire disparaître entre guillemets quelque temps et puis la libérer plus tard en dernier recours. Il y a juste un truc qui m'embête avec ça, c'est qu'on commence à faire beaucoup trop d'allers-retours en direction de Kalani, et que du coup, même si c'est à moitié grillé, ça serait bien qu'on grille pas définitivement les liens. Bah, tout dépend où est le point de chute, mais oui, je suis d'accord. Après, voilà, il nous faut des contacts. Tu peux très bien, si tu as des gens dans la machine d'ivoire, tu peux la faire remonter et la faire enfermer dans les locaux de la capitainerie d'ivoire. Comme ça, tu lui dis, voilà, vous êtes en sécurité, mais pour les biens de l'enquête, veuillez... Et rester bloqué pendant 6 mois. Dire, la magistrature d'Ivoire n'est pas, pas au courant que. Pas trop au courant que cette mission. J'ai pas eu trop de temps de leur dire, même si globalement la gouverneur a pu transmettre leur. Deux, n'est pas du tout au courant que je suis actuellement un pirate. Non, non, non. La chasse aux pirates a été retirée à la magistrature par les grues. C'est vrai. Pardon. Et c'est pour ça que si en plus on peut les enculer à sec sur un plan comme ça, moi ça m'arrange. Il est quand même beau le Bayushi, hein. Vous avez vu son évolution pendant toutes les parties, le type hyper sympa et honnête, et maintenant il essaye de couillonner à la fois diplomatiquement et physiquement les grues. Ah là là, c'est beau, cette évolution. C'est la photo MJ. Il est totalement imprégné de l'attitude Scorpion, ça lui va très bien. La photo MJ, moi j'y suis pour rien. De quoi, c'est ma faute? Ta faute si Bayushi a changé? Bon, allons, c'est pas ma faute. Ou qu'il a vu des évidences, je sais pas. Oui, ça aussi, plein. J'arrête pas. J'ai vu des évidences qui sont mortes. Qu'est-ce qu'on disait comme connerie? Ah oui, Du coup, je l'emmène dans ma cabine. Enfin, je la fais déposer dans ma cabine, attachée, tout ça. Avec un bandeau sur les yeux. Alors, fais-moi un jet d'étiquette quand même, parce que je vais être gentil, mais... D'étiquette ? Oui, étiquette intuition. Alors, étiquette intuition, étiquette, il est où ? Étiquette 3, intuition 7, j'ai 4. 35 ! Cela ne se fait pas d'attacher un samouraï. Ok, d'accord, on va le faire autrement. Samurai Sama, vous êtes ma prisonnière. Allez-vous être une prisonnière honorable? Je ne suis honorable qu'avec les gens honorables. Je ne suis pas. Le fait que vous soyez commandant d'un capitaine de pirates? Ronin-sama? Ronin-san? Est-ce qu'on est tous dans la pièce ou il est tout seul? Ça lui de répondre. Je suis tout seul. Ok, c'était pour ça. Non, enfin... Ouais. Shinjo, l'ITMP. Et qu'est-ce qui me dit que vous êtes une samouraï honorable? Samouraï-san. C'est-à-dire le fait que je ne sois pas un pirate? Ma foi, je suis un pirate. Mais ma présence en est une preuve, non? D'un capitaine, l'attention d'un autre capitaine suite à une attaque ne prouve rien d'autre que le fait que le capitaine du Oneto, Onote, bref, du machin, de l'autre bateau souhaitait me remercier de mon aide. Sachez, ni bâillonner, ni bander les yeux. Vous ne m'avez pas laissé avec mon navire. Auriez-vous souhaité devenir prisonnière de ces gens? Ils ont massacré le reste de votre équipage. Oui, mais si vous aviez été un homme honorable, vous auriez attaqué les pirates en n'arrivant pas le reste des forces de mon navire. De toute façon, tu peux pas gagner, hein. T'as massacré des samouraïs honorables devant elle, hein, donc... Non, j'en ai combattu un, m'a massacré. Ouais. Ah mais non, mais dans la mêlée, tes hommes en ont tué des gens, hein, même des imins ou des samouraïs. Et eux sont alors, pas alors, je suis pas forcément d'accord.
je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il ne peut pas gagner. Dans le sens que en RP j'arriverai à le battre, ça c'est sûr, mais dans niveau DG, au niveau DG, je pense que ouais. Bah, c'est-à-dire que en RP j'ai quand même plus d'arguments que toi. Enfin, pour le coup, dans la situation actuelle, enfin tu pipotes, donc forcément voilà. c'est un peu complexe quoi. C'est un peu essayer de d'aller plus vite que le hardware en informatique, si tu veux. Donc c'est pas possible. Voilà. Toujours est-il que même si tu vas la chercher un peu comme ça pendant quelques minutes, et au bout d'un moment, enfin tu vas tellement la saouler en fait que qu'elle va lâcher l'affaire. Alors, par contre, elle va te dire que il est indécent qu'une fille soit seule avec un homme. Putain, que je suis pas dans la pièce, elle aurait pris déjà deux claques. Vous avez déjà accès à la meilleure des cabines au lieu d'être parqué à fond de cale. Je pense qu'il devient difficile de demander plus d'exigences. Et si elle est pas contente, à quelle lui dire, elle avait qu'à dormir avec l'équipage et Pong. Elle te dira. J'ai cru remarquer que vous aviez dans votre équipage une femme. Je pense qu'il serait peut-être plus convenable qu'elle assiste en permanence à. Ce n'est pas un problème. À nos conversations. Elle le fera. Que vous ne risquez rien. Bah en fait c'est surtout les règles d'étiquette hein, qui font que. Oui non je sais mais. Je rappelle que dans une situation curieuse, tu vois, genre. Bon, à part ça, elle va être un peu chiante les premières heures jours on va dire. Mais après bon elle s'y fait quoi. On a discuté avec elle un peu. Nous souhaitions une récompense pour vous avoir libéré. On nous a adressé. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bonjour. Ouais. Oui. Alors. Qui elle va dire ? Hidatashi Dono ? Qui m'a pété les couilles ? Non. Juste le champion de clan du crabe. Ah. Bon. Réponse trollesque. Sinon, elle va te dire. Mon père s'appelle Yasuki Kozi. Kozi. Shinjo ? Shinjo. Regarde tes MP, s'il te plaît. Quoi, tous ces échanges dans mon dos ? Bah écoute, c'est en louche, il se passe des choses dans mon dos. Non, moi ça me va parfaitement. Hein. C'est encore plus louche. Ouais, je suis d'accord. Captain Red, il fait toujours des trucs louches dans notre dos. Moi, je suis juste en train de me sondre et je fais que les trucs en pleine vue de tout le monde. Il se passe des choses bizarres dans ce groupe. Ok. Et. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que j'en étais. Donc, elle te donne le nom de son père. Elle te dit que. C'est un riche marchand, mais pas non plus hyper hyper riche. Que ça reste un marchand du clan du crabe et que il dépense tout ce qu'il a au service du clan, etc. etc. Elle te sort le couplet classique du marchand de crabe qui essaye d'acheter des ressources au meilleur prix pour le clan. Voilà. Il a un certain succès. Elle avait pour mission d'aller dans les colonies et essayer de s'initier un petit peu au commerce et de commencer à reprendre un peu l'affaire familiale entre guillemets ou de commencer la sienne quoi. Félicitations, vous avez appris quel est le premier risque du commerce avec les colonies. Tu veux que je dise quoi moi?
Certes, certes. On se demande ce que fait la magistrature. Elle a du charme, elle est belle. Elle... J'ai cru entendre... Un peu de reproduction pour les colonies, ça marche aussi. Hein. Attends, j'ai cru entendre que le clan de la grue avait pris la charge de lutter contre les gens comme nous. Peut-être ne sont-ils pas aussi efficaces que la magistrature, allez savoir. Je me suis curieux. Ah ben, c'est-à-dire que je pense que le clan de la grue a d'autres priorités, vous voyez. Il chasse un petit samouraï du lion, je crois. Oh, connard. T'en profites. De telles préoccupations quand tout le commerce des colonies est menacé par des gens... Ah bah, quand ils vont arriver quand ils vont arriver en masse, ça va lui faire drôle à ce petit samouraï. Hein. Bon, je n'en doute pas. Mais autant de monde pour une seule personne, n'est-ce pas en soi un constat d'échec? Ah. On dit que c'est un lion, mais il a en lui du sang crabe. Il saura se battre sur un mur. Je ne connais pas les détails de l'histoire. Menteur. Fais-moi un jet de sincérité. Je crains que tout ceci ne fasse qu'un four. Un jet de sincérité, mais pourquoi ça, je comprends même pas. Alors, sincérité, mensonge. Mais, enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais elle connaît l'histoire quand même, hein. Elle. Ma foi. Enfin, je sais pas si Akodo se rend compte de la gloire qu'il est en train d'avoir, quoi. Ouais. 38. Ça va passer. Ça va passer. Je suis surpris que des affaires liées aux colonies telles que celle-là soient à ce point connues au niveau de Rokugan. Le petit samouraï a ce point de gloire et de reconnaissance à travers l'Empire. Le clan de la... Enfin, tout samouraï qui défie un ordre impérial de aussi longtemps... reçoit une attention particulière de tous les clans. De plus, le clan de la grue a mis... comment dire... Un certain... a montré un certain intérêt pour... au plus vite un maximum de troupes afin de régler cette situation. Et demande de l'aide à qui peut bien lui en fournir. Tu crois que ce serait indécent que je leur propose de l'aide? En tant que mante ou en tant que Akodo? En tant qu'Akodo, tu sais, alors, jeune samouraï qui n'en veut, prêt à se battre. Vous avez l'air de galérer niveau stratégie, vous voulez que je vous donne une ou deux leçons ou... La leçon d'Akodo. Un jour, un Akodo. En école, ça d'ailleurs, la leçon d'Akodo? Non, en fait, la leçon d'Akodo, c'est le bouquin qu'il a écrit. Ah non, c'est commandement. Si, leçon d'Akodo, c'est le dernier rang, le rang 5 de mon école d'Akodo. Ouais, il me semble bien. Ouais, c'est ça. Ah, le MJ gagne un point de vide. Ouh. Tu veux de préférence pour faire chier les joueurs. Ouais, alors. Alors du coup, comment vous allez faire pour elle? Enfin, je te laisse réfléchir. Pendant ce temps, tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. C'est qu'elle est pas moche, la bougre. Je prends un point de vide. Tu ne bandes pas. Oh. 30. Ok, tu dors comme un poireau. Comme un loir. Voilà, hop. Putain, c'est non. Comme un poireau. Ah, je sais pas, je suis fatigué. Mais dégorgé, c'est toi qui vois. Ouais. Elle m'égorge pendant la nuit. Non, tu te réveilles, elle est plus là. Tu te réveilles au matin, elle est plus là. Et son Shinayu, elle est là? Hein? Bah non. Okay, son Shinayu, elle dort pas avec vous. Je vais la chercher. Bah je dors pas avec elle non plus. Non. Alors là, du coup, Captain Red, tu qu'est-ce que tu penses que l'équipage en a fait?
Ah bah, on a tous une idée. Hein. T'es sérieux, mon équipage s'est retourné contre moi? Ah bah oui. Bah, ils en profitent. Hein. Tu t'en es profité d'abord, ils t'ont laissé d'abord. Excuse-moi, tu te rappelles les propos que t'as dit? T'as dit, elle est à moi. Non, elle est à vous tous, en fait. Hein. Discrètement, le temps que le capitaine cherche sur le pont, je m'en vais manquer de la fille dans les bas-fonds du bateau. Oh mon dieu, c'est horrible. Alors, le premier dont j'apprends qu'il est passé dessus, alors est-ce que j'étais au courant, je le découpe sans autre forme de procès. Est-ce que j'étais au courant, moi? Non. D'accord, parce que sinon j'aurais balancé un éclair. Moi, non, mais je te dis, le premier dont j'apprends qu'il a couché avec elle et qui, machin, je le découpe sans autre forme de procès et je dis la prochaine fois, je vous tue tous. Bon, bah, ça sent l'amitié, là. Oui. Alors, comment dire? Peut-être pas l'idéal, en effet. Tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont te dire, qui vont avoir les armes en main, hein, clairement, et qui vont te dire que cette prise, elle est à eux. En fait, elle est pas qu'à toi. Elle est à tout le monde ici. Elle est au bateau, elle est à l'équipage. Et que la vendre, ça va être, ça doit être fait. Et que en aucun cas elle appartient au capitaine, quoi. Le capitaine est un membre de l'équipage comme un autre, qui a un rôle à jouer dans le commandement du navire, certes, mais ça reste un... En gros, vous êtes deux ennemis contre tout l'équipage. Hein. Je manquerais juste de la santé de la demoiselle, c'est tout. Moi je considère qu'elle a pas forcément été violée, parce que ça reste des samouraïs, et que ils savent que s'ils la touchent, ça va baisser sa cote. Cependant, ils veulent juste jouer à touche pipi. Non, ça reste plus propre. Je dirais que c'est... Ils veulent juste être certains qu'ils ont une part du gâteau, quoi. Et que ça, c'est pas le capitaine qui en fait son jouet, que ça soit juste pour sa conversation, c'est trop, en fait. Au cours de tout ce que nous avons fait, à quel moment excusez-moi, le joueur est en train de bugger là, mais à quel moment me suis-je fait passer avant vous? Ben, pour cette... Je n'ai absolument pas pris de décision sur quoi faire d'elle. Entre la revendre et la rançonner à son père, ou la mettre à l'abri auprès de nos alliés en attendant de pouvoir la ramener. Oh, sinon, on la balance à bord et hop. Vous avez dit qu'elle était à vous, capitaine. Parce que certains d'entre vous bavaient et que je me suis dit qu'il fallait la protéger. Je n'ai pas en confiance à votre équipage, capitaine. Que je ne dois pas le faire. Je n'ai à aucun moment fait passer mes intérêts avant les vôtres. J'ai même rarement fait passer les intérêts purs de la mission avant les nôtres. Nous sommes en pleine mission, ce qui fait que j'aimerais éviter au maximum d'attaquer des gens qui ne sont pas liés directement à la mission ou qui ne sont pas des ennemis plus ou moins connus de votre clan et du nôtre. Ok, je souhaitais qu'elle reste à l'abri, en attendant qu'une décision soit prise. N'avez-vous pas confiance en moi? Alors... Est-ce que je n'ai pas fait ce qui était en mon pouvoir pour vous aider, et est-ce que je n'ai pas accédé à un maximum de choses à chaque fois qu'il était possible pour faciliter vos vies? Alors, tu es en train de gagner au niveau de la conversation, et tu arrives à convaincre plus ou moins de plus en plus de gens de la véracité de tes intentions. Cela dit, tu vas me faire un jet en intuition courtisan. ND gros, hein, je vais mettre du ND50. Hein. Je peux cramer combien de points de vie maximum à un seul jet? Est-ce que je peux l'aider avec quelque chose ou je sais pas quoi? Je considère... Tu peux faire le jet si tu veux. Et si t'as des sorts qui peuvent t'améliorer tes jets d'intuition, etc., tu peux les utiliser. Mais voilà. Après, ça veut pas dire que les informations que j'ai envie de vous donner derrière le jet de 50
vous ne les ayez pas comprises non plus. Hein. Voilà, il y a aussi moyen de les comprendre tout seul, mais vous les avez peut-être déjà compris et je n'ai là pour rien. Mais voilà. Là non, j'ai aucune amélioration possible, donc il n'y a pas de S. Bon bah moi c'est un échec. J'ai même assez pourri en fait. J'ai 5. Bon, on est 50, c'est compliqué, hein, mais. Surtout quand tu fais 3-3, tu vois. Hein. Oui. Parce qu'il manquait pas grand chose pour y arriver en fait. Bah, t'aurais eu un deuxième 10 déjà, ouais, c'était pas mal. Par exemple. Du coup, le Shuganja, il fait un G ? Ouais, je fais un G de quoi du coup ? Parce que courtisan, intuition. Ok, je prends la discipline courtisan avec mon dernier point de vie. Ah, tu l'as pas, putain ? Non. Ah, Ouais, si, tu vas considérer que tu l'as, et c'est bon, je te le donne à 1 quand même. Ok, alors j'utilise un point de vie quand même. Hop. Hop. 41. Ah, c'est pas loin. Bon, tu vas quand même avoir un minimum d'infos. En fait, c'est plus la présentation des faits que les faits réels qui posent problème à l'équipage. Truc comme ça, quoi. En gros, c'est le fait que j'ai dit c'est moi, c'est à moi, quoi. Il n'y a pas que ça, mais... C'est parti, ouais. Pour l'instant, ils comprennent pas trop la finalité de la mission, dans le sens qu'est-ce qu'ils y gagnent eux aussi. Et ils ont l'impression que on les envoie un peu au casse-pipe aussi, quoi. Et du coup, il va être sûr que eux vont avoir leur part quand même de leur vie de brigandage, que ça soit à la fois pognon, mais surtout aussi que ça soit récompense dans le clan. Et pour l'instant, tu ne leur prouves pas qu'ils vont être récompensés en tant que samouraï. Oui. J'ai pas trop les moyens de les garantir que leur clan va les récompenser, quoi. Eh mais ils sont pas au courant que t'es pas de leur clan. Et eux, justement, tu leur as pas montré des signes comme quoi ils allaient, entre guillemets, gagner de l'honneur, quoi. Parce que pour tout samouraï, enfin, par les scorpions, l'honneur est quelque chose qui est plutôt développé. Ou sinon, qui est de la renommée. Pour l'instant, ils s'habillent en pirates, donc du coup, ils vont pas pouvoir se la péter dans le clan la clan de la main, puisqu'on saura pas que c'est eux pour l'instant. Donc du coup, comme tu leur as pas promis qu'on va tout révéler ça au clan plus tard, du coup vous serez très célèbre en tant que les pirates de Senji, c'était les jets de la menthe. Bah tu vois, donc ils ont pas l'honneur, bah, pas la renommée en tant que samouraï, et en plus ils en profitent pas en tant que pirates, puisque bah, si tu veux, voilà quoi, niveau pognon et tout. Ah c'est bon, attends, le dernier braquage qu'on a fait, ça leur a fait gagner équivalent chacun de 5 ans de vie, quoi. Oui, mais ils les ont claqués très vite. Et puis, eux, ce qui... Non, mais c'est du pécor, hein. Ça ne faut pas s'étonner, hein. Je veux dire, c'est pas des gens qui réfléchissent comme un samouraï ou à l'air de lignée comme toi qui dans l'idée. Donc, si tu veux, il faut leur promettre un peu des carottes. Et là, pour l'instant, ils ne les voient pas trop. Donc, la fille, pour eux, c'est une carotte. Parce que si ça se passe bien et que... Voilà, ça prouve qu'ils sont des putains de samouraïs, ou ça prouve qu'ils vont se refaire une putain de blinde, quoi. Donc si tu veux, pour eux, c'est un petit bout de trésor. Soit un trésor dans le sens blinde, soit dans le trésor nommé. Enfin, après, je peux me tromper, mais dans l'idée, voilà. Non, je pense que t'as raison, mais j'avais pas du tout pensé à ça sous cet angle, en fait. Pour moi, ils étaient... Ils étaient loyaux, classiques, et ils faisaient leur devoir, quoi. Je comprends. Moi, ouais, mais en même temps, quelque part, c'est, je pense que c'est assez... cohérent avec le personnage qui a fait l'erreur, parce que du coup il connaît pas non plus toutes les spécificités, et les mentes avec lesquelles il a bossé c'était des soldats réguliers, donc là il se rend compte du problème qu'il y a à régler avec des soldats moins réguliers du clan de la menthe, et c'est pas plus mal qu'il découvre ça. Tout à fait. Donc est-ce que tu as une idée de comment tu vas la refourguer? Enfin, vous allez la refourguer plutôt, du coup, je vais parler au pluriel. Mais, si, un petit peu quand même. Justement. C'est tout ça, ça me fait avoir une idée sur comment les calmer au passage. Est-ce qu'on a un moyen d'entrer en contact avec le marchand ou le clan de la menthe à peu près discrètement? Alors, le clan de la menthe, je dirais oui. Puisque ton second peut envoyer des messages par des sorts.
Du coup, est-ce qu'il pourrait envoyer un message au marchand ou pas? Alors, au marchand, c'est-à-dire au marchand en général, à des marchands ou Non, à son à père? celui. À celui. Non, non, au marchand Mante qui était venu sur l'île. Ah, pff, non, c'est long, hein. Ah, si vous passez à côté d'un navire de guerre Mante, le contacter sans souci. Dire, ben voilà, vous êtes une mission secrète, machin truc, vous voudriez ça ou ça, ou qu'il fasse passer telle information. Pourquoi pas? Si c'est dans leur trajectoire, etc., et qu'ils peuvent le faire, ils le feront. Voilà, ça peut marcher. Maintenant, ça va pas être instantané. En tous les cas, quoi. Et vous êtes super loin, hein, de l'endroit de fin de Calani, hein, donc. Ouais, mais moi ce qui m'embête, c'est revenir en arrière là maintenant, ça va juste nous griller par rapport à ceux qui vont Après. vouloir nous surveiller ou. Après, y a des navires qui vont à Calani que vous croisez tous les jours là, hein, donc. Eh oui, ça demande de prendre des décisions, hein, d'être capitaine. Ouais, c'est relou. Je suis d'accord, c'est pas facile. Si Pong a des idées, il peut les émettre, Peut hein, s'exprimer. Shinjo, tu dors? On a perdu Shinjo. Perdu Shinjo, reviens Shinjo. Shinjo! On a les mêmes à la maison. Ou pas? On va savoir. Désolé, j'ai eu un petit souci sur le casque, là j'avais plus de son. Ah. Je suis sûr que ça clignotait, mais il y avait plus de son. T'as entendu la Ça fait pas trop de conversation problème. ou... Ben non, justement, je croyais que ça passait. Bon, les pirates, ils sont pas contents, pas contents, pas contents. Ouais, ça j'ai entendu l'histoire de la samouraï, ouais. Du coup, le MJ disait, Shinjo, si t'as une idée, n'hésite pas à t'exprimer. Pour comment se débarrasser du cas de la prisonnière. Parce que moi, du coup, en fait, ce que je me dis, c'est que l'idéal serait de la remettre au clan. Parce que du coup, ça donne un appui au clan. Ça donne. Tout dépend, tu veux passer pour un célèbre pirate, tu fais une grosse intervention avec le crabe, et puis juste devant, tu sais, le bateau s'approche, tu l'égorges devant tout le monde, et tu la laisses tomber, et puis là, tu te casses. Là, Alors la pour la. réputation du pirate Senji. Pour la partie honneur et paiement des marins, ça va pas marcher génial en fait. Non, c'est sûr. Ouais, ça fait limite comme monnaie d'échange, ça, ouais. En plus détaché, je vous ai fait la petite monnaie. Je savais pas comment découper. Dans le doute, j'ai tranché. Ouais, en petite coupure. Ouais. Comme ça, chacun peut avoir sa part. Allez, prenez vos cuillères. De toute façon, Un petit plat, on n'est pas là. il y a tout ce qui. Bon, si vous faites ça, moi je vous avertis, il y a probablement quelques-uns de vos membres d'équipage qui vont apprendre des sorts de Mao, hein, très rapidement. Ah bah ça, c'est clair. Surtout ceux qui suivent. Ils vont les rêver en fait, hein, les sorts de Mao. Il y a Giggle qui va venir lui souffler. Enfin, leur Super souffler. loin de ton micro là tout d'un coup. Oui, je sais. C'est normal que je sois super loin, parce que je suis géographiquement loin de mon micro. Bah du coup franchement moi si je fais un raid au clan ça me dérange pas au moins elle sera sauve des condesses. Puis ils la revendront pas à des banques. Ce qui me semble le plus intéressant, mais maintenant faut réussir à le faire. Potentiellement s'ils veulent un peu de leur honneur et que ça se paye avec quelques sous-sous, ben ils en retireront de la thune quoi. Honorable quoi. Bon, dans les faits. Est-ce que tu envoies quelqu'un à terre? Je sais pas, dites-moi, hein, parce que. Est-ce que vous voguez au large? Vous jetez tous à l'eau pour prendre un bain? Tu tous. J'aurais bien dit, on envoie la gonzesse Nalou en avant, comme ça. Mais bon. Bon, tu nous les brisé déjà pour commencer. Ouais, mais non, ça marchera pas. C'est pas un bon plan. Par contre, ouais, enfin, j'aime bien l'idée de la ramener au clan de la Mante, tout ça, ça me plaît bien, mais le problème, c'est qu'il faut réussir à le faire et on n'a pas de bateau assez petit pour le faire en fait. Peinard et tu vois quoi. Je sais pas quoi dire, mais je sais pas comment dire, mais voilà quoi.
Moi, j'aimerais bien me débarrasser d'elle et la ramener au clan de la Mante le plus vite possible, tu vois, histoire d'être débarrassé d'elle et qu'on puisse continuer nos affaires peinards, quoi. Sinon, oui. Le plus simple, c'est de la vendre. Mais, ou de la parier, entre guillemets, dans un pari, à un clan de la Mante et t'as perdu. Arrête de vouloir me faire jouer ou parier, j'ai aucune de ces compétences. Pour l'instant, c'est pas une question de compétence, c'est une question de réputation. Le but, c'est que tu perdes, quoi. Ouais, pourquoi les gens pensent que t'es mauvais, que t'es un nul et que t'es pas compétent sur tout et qu'on peut t'avoir là-dessus. C'est sûr, c'est créer une fausse faiblesse pour que les gens puissent croire que ah non, mais ce mec il est complètement con, il va parier sa prise comme un blaireau. Alors que du coup, on va te déconsidérer, on va penser que t'as des bons capitaines, mais que tu ne vas pas être assez intelligent pour pouvoir prendre la place d'un supérieur en fait. Et du coup, ça te permet de faire monter les grades. Tu sais, dans le monde professionnel, les gens qui montent en grade sont pas forcément les gens compétents. Non, généralement, c'est ceux qui ont les dents longues et qui enculent les autres à sec. Voilà, ou par un concours de circonstances. Parce que justement, les gens ne font pas peur. Et tu sais que tu vas pas faire prendre le poste du mec qui t'a nommé. Donc du coup, jouer sur cette réputation-là d'une certaine faiblesse, comme quoi bah, ton vice, c'est le jeu, bah, du coup, on pense qu'on peut t'avoir sur le jeu, sauf que le jour où tu voudras pas, on va dire, te faire avoir, tu pourrais le faire facilement, parce que les gens vont croire tellement le jeu, c'est parce que c'est facile à jouer. Hein. Et que voilà, tu pourrais très bien être la drogue, etc., mais ça te met dans d'autres conditions. Alors que le jeu, déjà, ça peut te faire intégrer les tables des pirates, parce que les pirates jouent beaucoup, puisque de toute façon, ils ont une vie qui peut être courte, alors du coup, ils jouent à fond. Et en plus, bah, si on sait que tu es joueur, bah, du coup, on va essayer de te titiller là-dessus, plutôt que d'essayer de viser ta famille, etc. Donc du coup, et toi, tu te fais un petit peu, entre guillemets, avoir au début, jusqu'au jour où les gens croient, puis le jour où ils pensent qu'ils vont t'avoir en manipulant, bah, là, c'est toi qui te retournes et clac, tu leur tombes dessus. C'est pour ça que je te fais jouer sur ça. Mais après, tu peux jouer sur un autre vice. C'est juste qu'il faut que les gens pensent que tu as un vice ou une faiblesse sur lequel on peut jouer sur toi et que tu tombes dans le panneau. Et jusqu'au jour où tu voudras ne plus tomber dans le panneau parce que tu l'auras décidé. Tu vois, c'est comme tout con, si on sait que tu es avare, bah, le méchant te dit « Tiens, voilà du pognon et tu me laisses en vie. » Bon, bah, du coup, il croit que tu vas accepter le pognon, du coup, il baisse sa garde, il n'a pas besoin d'avoir une dizaine de gardes du corps parce qu'il sait que tu vas accepter le pognon. Alors qu'en fait, t'en as rien à foutre. Mais tout le monde a toujours cru que tu adorais que le pognon. Mais voilà, c'est subtil, mais il faut jouer sur le long terme. Et comme ça, boum, quand tu tomberas sur le vrai chef des brigands, il croira que t'es un gros parieur. Et puis, du coup, il n'aura pas besoin, on va dire, de se sentir en fourbe en se disant « Attends, le mec est hyper intelligent, il faut que je prévoie 10 gardes surprise. Okay, » oh. Enfin, après, voilà, je sais pas trop, mais... Bah après, l'idée, sur le papier, t'as raison, mais là, je suis pas sûr qu'on ait le temps de mettre ça en place, en fait. Ah, bah ça, je sais pas. Après, ça peut vite se faire naître une rumeur. Les gens te connaissaient pas il y a 3 semaines. Quand tu regardes bien l'histoire de Kalani, enfin, l'histoire de Kalani avec le Daenerys, avec l'attaque du bateau que t'as fait en plein milieu du port, c'était tellement osé que tu... peut très bien faire courir la rumeur que tu l'as fait à cause d'un pari parce que t'étais bourré un soir et que ça t'est pris comme ça quoi. Ouais, ce bateau dans le port et puis tiens les gars on se le fait ouais, ça non mais je peux simplement dire que c'était un pari. Ouais, on peut demander, on peut faire croire qu'un mec de la Mante a dit qu'il avait parié avec un capitaine dans un bar qu'il était pas capable d'attaquer les Ariès et puis bah ouais. Putain ouais, tu vois du coup tu fais naître un peu cette rumeur-là de quelqu'un qui fait des paris osés et tout. Donc du coup, tu vas jouer là-dessus jusqu'au jour où on va te dire « Allez, vas-y, pute là. » Putain, il le fait pas alors qu'il n'a pas des trucs pareils. Enfin, tu vois, ça peut être très développé. C'est pas facile à jouer. C'est mais... Mais là, pour le coup, il faudrait vraiment que qu'on se débarrasse d'elle parce qu'elle va nous en prendre. Ah oui, bah, tu peux très bien dire que tu l'as parié. Et la ramener au camp. Moi, ça me plairait bien de la ramener au clan des Mantes, histoire que les Mantes. Bah écoute, on a raison quand on est tranquille un bateau Mante, et puis tu la refoules dans la gueule. Ça, c'est ouais. Faisable, ouais. On va chercher un bateau Mante, on va pseudo l'attaquer. Voilà, hop, dès qu'on est au corps à corps, on fait Don't Kill Me, le symbole secret de la Mante, et puis on fait des échanges, pour pas dire qu'on leur prend un petit peu du style papier officiel, on est du clan de la Mante, on va vous prendre 3 caisses quand même, on en a rien à foutre, alors, on vous file la grossesse. Alors, juste un rappel, vous avez fait quoi la dernière fois, la semaine dernière? Plein de ventes.
On l'a récupéré des pirates. Ouais. Ouais. Mais on a toujours pas de bateau pour eux. Mais donc, ils sont ça veut dire qu'ils sont où? Avec nous. Voilà. Hein? Donc, On échange des pirates? Non, juste que si vous voulez monter un plan, faut que eux, ils aient pas la possibilité de le comprendre, hein, parce que si eux le comprennent, c'est, voilà, ben, je, restez ouverts, les gens, quoi. Ben, sinon, eux, faut les débarquer en leur disant, là, vous allez chercher des cibles, on revient dans 2 jours, et pendant ces 2 jours, on essaie d'attaquer un bateau. Enfin, attaquer, entre guillemets, un bateau pirate. On laisse Tsurushi. Parce que, moi avec eux, techniquement, si tu veux aborder un navire mante, il y aura pas besoin de combat. Hein. Je veux dire, les Shugenjas parlent machin. Ils vont pas se rendre. C'est un navire mante. Ils vont accepter que vous accostiez. Vous allez pouvoir discuter. Et après, ils vont repartir. Non, moi je parlais à ce qu'on peut faire pour que les autres ils croient qu'on les a attaqués. Enfin, ça me semble un peu complexe quand même. On était à plus ou moins à court de vivres là, donc on peut très bien vendre le fait que tu cherches à commercer pour récupérer des vivres. Quoi de mieux qu'un amirmante pour ça qu'ils sont pas trop regardants sur la marchandise quoi. Oui, bah, c'est sûr. Des vivres, des tonneaux d'eau et puis. Et puis glisser discrètement la gonzesse au monde, quoi. On la fout dans En guise de paiement ou autre pour la marchandise, quoi. Tu t'entretiens directement avec le capitaine dans sa cabine, et puis tu fais la négociation. Comme ça, il va accepter, entre guillemets, la gonzesse en moyennant tout son stock. Excusez-moi. Bon, on va pas tarder à arrêter. Ouais, je vois plus clair. Je vous laisse réfléchir à comment vous allez faire à gérer personne, cette prisonnière. Toujours est-il que tu vas effectivement être recontacté très rapidement par ce même pirate. Akodo, ton micro. Pardon. Par ce même pirate, il va te donner le nom de la cible. Mmh. Je vous le mets dans le chat, parce que je le prononcerai, c'est peut-être... Alors ceux qui connaissent un peu L5R comprendront les autres. Sunda Mizumura. Ah oui, je connais. La voilà. Cité de l'Opium. Tout à fait. Non, c'est une ville très très importante du clan Nucre. C'est là où il y a le dojo principal aussi des Ida. Et c'est un supplément de la voie de Rokugan. C'est très joli d'ailleurs. Tu l'as? Ah putain, je l'ai pas trouvé moi. J'ai pas réussi à le choper. 135 euros ou 200 alors qu'il coûte que 35 euros. Ouais. Il coûtait 35 euros. Mais ils en ont produit 200 exemplaires donc ouais, c'était vraiment au début. Hein. Mais bon, ouais. Il faudrait les relancer sur leur forum parce qu'ils voulaient le diffuser en PDF gratuitement. Mais bon, je sais pas où ça en est. Il y en a qui ont gueulé. Ah, je sais pas où ça en est. Moi j'attends ça depuis longtemps. Hein. J'attends ça depuis longtemps qu'ils le diffusent sur le. En PDF. Dans tous les cas, voilà la prochaine cible. Est-ce que t'en es ou pas, je te laisse prendre la décision pour la semaine prochaine. De l'autre côté, autre petite mise en bouche pour Akodo, au fort. Dans la nuit, enfin pendant une nuit, on va dire, une nuit très chaude d'été, tu es réveillé par l'arrivée d'une voyageuse. Un projectile à très grande vitesse lancé. Par quelle porte? Aucune. Voilà. Elle est arrivée par la grotte, mais des murs en béton armé, du goudron partout, moi, parce qu'ils sont chiants. Alors à ta place, je mettrais plutôt des lasers. Alors la personne en question est Kitsumai.
Ah, ok. Ah oui. Voilà. Qui vient de rendre visite. Elle est avec son scorpion de compagnie ou... Non, non, non. Elle est pas. Elle est venue seule. Et en fait, elle, c'est une Shugenja de l'eau. Donc elle, elle est passée par l'eau. En fait. La prochaine fois que vous allez... À part le puits, quoi. Faites attention. Bah, à part les infiltrations d'eau qu'il y a dans... Dans comment on appelle ça, dans... J'ai une question. Tous les Shugenja comme ça, ils apparaissent dans ma piole à chaque fois que je dors ou... Non, non, non. Elle a pas apparu, elle a pas apparu dans ta piole. Elle a apparu dans le tunnel, elle. Donc, en fait, au final, les gens ont pensé qu'elle a traversé... Remarque, elle doit pouvoir le faire aussi, hein, je pense, avec son niveau maintenant... Elle doit pouvoir le faire aussi, de passer... T'as pensé de... à construire des murs à ton fort ? Non, mais de toute façon, un mur, à quoi ça sert ? Bah, elle... Enfin, je veux dire, elle est au courant que... Elle a été surprise de voir que c'était fermé, parce que je crois pas qu'elle soit passée depuis que ça a été fermé. Non. Mais elle connaît relativement bien le truc, et elle a vu que c'était pas si épais que ça, quoi. Enfin, ça fait plusieurs centaines de mètres... ça passe, quoi. Ça se traverse, quoi. Pour un Shugenja qui a quelques sorts de terre, ça se passe, quoi. Attends, t'as des visiteurs qui passent, t'as pas une armée, sois content déjà, quoi. Je suis super content, je peux attendre à pire. Hein. Donc, qu'est-ce voilà. Que tu vas m'annoncer, c'est plus ça qui fout les boules. C'est ça. ça sera pour la semaine prochaine. ça sent le berserker. oui, non mais vous allez voir, ça va être rigolo. Tu sais qu'à chaque fois qu'on fait des combats, en deux attaques, on est mort, on a 50 points dans la gueule. Non mais j'y peux rien. Non, là pour le coup, vous allez voir, ça va être rigolo. Voilà. C'est ce qui me fait peur justement. Non mais on verra bien. Bah du coup j'espère que ça vous a plu. Ah oui, c'était très sympathique. Merci. Voilà. Donc, du coup, Akodo, la semaine prochaine, faut que tu sois au taquet. Hein, parce que okay, ça va être ta soirée. D'accord, ok, nickel. Et en plus, j'ai eu Miruto Misara, ça va être drôle. Ah oui, bah la moissonneuse batteuse. Ça va faire plaisir. Ouais. Bah, il faut bien que tu penses. Bon, il doit avoir assez envie dans l'école. Mais voilà, il faut bien que tu calcules en fait quand tu vas jouer Misara, si tu fais des combats. Il peut faire deux attaques, trois attaques. Et tu, parce que justement, tu peux. Alors. En fait, l'augmentation de plus 5 pour faire une troisième attaque, elle est de plus 3. Donc, du coup, c'est juste que tu fais 3 augmentations. Mais en fait, j'ai relu l'école, c'est pas ça. Hein. En fait, ça permet de faire une attaque supplémentaire. C'est pas qu'elle est gratuite, c'est juste que les 5 augmentations qu'il faut pour faire une attaque supplémentaire, elles sont réduites à 3, si ma mémoire est bonne. Bah en fait je croyais ça mais je l'ai recopié moi à l'école justement pour le mettre sur la fiche. Et en fait non, c'est le rang 5 c'est si t'as fait deux attaques ce tour-ci, bah tu fais une troisième attaque gratuite au Wakizashi. Ouais, et voilà, c'est tout. Des zones rondes utilisant son Wakizashi en combat. Bah pas pour les dragons. Ouais, déjà je considère que c'est pas déshonorant, c'est juste pas très utile, quoi. En fait, à la base, le wakizashi était pour se battre en intérieur et le katana en extérieur, parce que la lame est plus grande, en fait, en katana. Oui, oui. Mais par contre, pourtant, je suis sûr d'avoir vu qu'il réduisait. Alors, putain, mais c'est peut-être dans une... C'est les Kakita qui font ça pour le Jedi, où ils gagnent, ouais. Ça, et après, c'est peut-être l'école avancée. Il faut voir, ça fait un truc comme ça, mais il me semblait aussi qu'il y avait un truc comme ça, mais en fait non. C'est-à-dire que si tu prends 5 augmentations pour une de tes attaques, ça veut dire que en un tour, le Miromoto, il peut en faire 4 d'attaques. Donc Misara, il peut faire 4 attaques par tour, quoi. Si face à un adversaire qui a un dé facile, quoi, pour lui. Donc quand on dit que c'est une moissonneuse batteuse, le mec en un tour il en fait deux des vôtres. Hein. Il peut pas en faire 5 même, parce que si c'est une attaque simple qui fait 5 augmentations, du coup ça en fait une attaque en plus. Comme il a deux attaques simples, ça lui en fait deux plus, ça fait 4 plus la dernière attaque, ça fait 5. Ouais, ça pourrait être possible, mais faudrait que je replonge dans les règles, mais ça me semble tellement bourrin que je pense que je le refuserais, moi, ou du moins je le jouerais pas, comme ça,
Mais au moins 4 attaques, ouais. 4 attaques sur. Déjà 4 attaques, ouais, ça calme sa race. Hein, Ah ouais, non, je suis d'accord. Surtout que les nouvelles attaques, elles n'ont pas l'augmentation de plus 5. Hein, donc, Oui. Surtout que Misara, c'est une brutasse déjà. Hein. Le mec, il lance 15 G5 hein, en Kenjutsu. Ah putain. Donc voilà. Tu fous un assaut, mais c'est bon, on fait top là. Lance 15 G5 Oui. T'imagines en assaut? Bah, ça fait ouais, 17 ça fait... G6. Donc, ouais. Ça fait quoi, putain, attends. Ça, ça fait du G10, ça, je pense. Ouais, plus quelque chose, hein. Ouais. Ah, putain. Non, mais tu vois, il risque pas de rater, hein, ses 5 attaques. Hein. Faut vraiment que le mec ait un putain d'ND, hein, mais la brutale. Tu vois, il se tape 5 samouraïs de rang inférieur. Pff, bon, par contre, il a rien pour augmenter ses bonus, hein. Il a rien pour augmenter ses dommages, donc il est obligé de prendre des augmentes s'il veut faire des dommages fortes, quoi. Enfin, s'il veut faire des gros dégâts. Tu peux prendre quelques augmentations, quand même. Oui, mais vous savez, DG10, à mon avis, certains de vos jets peuvent en être pas très loin. Hein. Avec du bon vide, etc. Dans certains trucs avec des assauts, etc. Vous pouvez en être pas très très loin. Hein. Je pense. Ouais, du DG10, quand tu rates un DG10, tu fais du 30. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, c'est un G raté. Hein. Un G moyen, c'est du 50. Hein. Ouais. 55 même. Ouais. Donc, tu vois. Ouais, un peu plus, parce que avec les disques qui se relancent, tu dois pouvoir viser du 60, et 65, attendez, je pense. Tu dis 10 G10, mais faut compter si ça a dépassé plus 2, plus 3. Enfin, les. Enfin, tu vois, il y a des plus. Hein. Donc, non, ça peut faire très, très, très mal. Hein. J'imagine même pas le maître d'armes après, mais bon, cumulé à la moissonneuse batteuse. Hein, et en plus, il a une défense en plus parce qu'il utilise sa main gauche. Enfin, c'est Kizashi, donc. Ah ben, il a 41 de ND. Hein. Ah voilà, donc. Si en plus il avait un kata, vas-y. Hein. Bah, je lui ai donné un kata qui lui donne plus 3 de ND quand il porte un Neisho. Ah ouais? Ah putain. Ouais. Ah nickel. Bah oui, c'est un kata de dragon, ça, en plus. Je crois. Ouais, bah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils sont aussi bons en Yajutsu, hein, parce qu'ils utilisent leurs compétences de Kenjutsu en Yajutsu, ils le rajoutent. Ils le rajoutent. Bon. Ouais. Bah, ouais, en Yai, il lance 11 G4. Oh putain. Ouais. Bah, en fait, il a l'ancêtre Miromoto, donc l'ancêtre Miromoto, déjà, lui donne pas mal de bonus dans tous les jets d'agilité. D'accord. Parce que l'ancêtre Miromoto donne 3 G1 à toutes les compétences qui utilisent agilité. Mmh. D'accord. Donc, toutes les compétences d'armes, t'as 3 G1, quoi. Donc, voilà. Ça c'est fait. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que pour le Sensei, tu vas proposer Shiba alors que les Miromoto sont des putains de grosses brutasses infâmes au combat? Bah, parce que je trouve que les dragons sont de très très bons combattants individuels, mais leur école, elle est pas... Au final, ça en fait pas des si bons duelistes que ça. Parce que même si t'ajoutes ton Kenjutsu à ton Yai, le reste de l'école est pas suffisant pour accrocher les Kakita en Yaijutsu, alors qu'un Shiba, il peut y arriver. Il faut qu'il se fasse un duel par jour, pas plus, pour qu'il crame tous ses points de vie dans le duel, mais il a une chance non négligeable. Oui, mais voilà, c'est l'idée. Surtout... Ouais, mais bon, et sans parler d'optimisation, faut aussi réfléchir aussi à la manière de jouer. Mais justement, le dragon, c'est la moissonneuse batteuse spirituelle. Hein. Mais voilà. Pour moi, il voulait jouer un prof, du coup, enfin quelqu'un, un sensei. Pour moi, le sensei, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et le savoir, c'est les phénix, quoi. Clairement. Ça dépend quel type de prof il veut être. Le prof par l'exemple, c'est plus le Kakita. Regardez, il peut être un très bon. Voilà. Le sensei Shiba, ça serait aussi par rapport à une connaissance académique. Alors que le sensei dragon, c'est plus spirituel, on va dire. Tu vois, spirituel, académique et tactique. Non, mais c'est possible aussi, mais voilà. Moi, je trouve que. Après, moi, je t'ai fait un phénix, si t'en veux pas, on en fait un autre, hein, c'est pas grave. Hein, enfin, j'ai pas vraiment d'avis, en fait. De toute façon, on n'y est pas encore, hein, donc c'est le temps. Oui. Hein. On travaille sur deux chroniques. Ouais, je vais arrêter l'enregistrement. Ouais. Donc, merci, au revoir les gens.